Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith avec ce jour d'ailleurs le démarrage au Palais des Congrès de Bamenda du congrès du SDF qui va donc se tenir dès ce jour jusqu'au 24 février prochain, l'occasion donc pour les délégués du SDF de renouveler le NEC, mais également au sortir de ce congrès, on pourrait avoir le candidat du parti de la Balance pour la prochaine élection présidentielle. Et on va surtout saluer le courage de ce SDF-là qui, malgré les menaces sécuritaires lancées par les sionistes, sont restés droits dans leur botte et ont tenu avec fermeté à tenir leur congrès électif. Madame, Monsieur, ceci dit, on va installer le panel pour ce matin. On commence avec vous, cher Lamel Mbachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à Monsieur Thomas Awana Asumu. Awana Asumu, directeur des aéroports du Cameroun. Vous faites honte à ce pays. Les aéroports font honte à ce pays. Toilettes peu fréquentables. Installations électriques incohérentes. Saleté repoussante. Peinture défraîchie. Tous ces médias vous servent à quoi? Et lorsqu'on parle des ADC, aéroports du Cameroun, on pense également à Koki Asumu, également qui est dans le registre de ces personnes, évidemment, qui sont pointées du doigt dans cette gestion calamiteuse des aéroports du Cameroun. Et on va surtout dire que l'aéroport Douala a subi plusieurs fois des réaménagements, mais jusqu'ici, on a du mal à voir clair dans les évolutions. Donc, comment cet aéroport-là pourrait avoir un visage beaucoup plus reluisant, surtout lorsqu'on compare avec des aéroports comme Lomé, comme Dakar, comme Abidjan, on se dit quand même que le Cameroun mérite mieux que ça. Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs, à vous sur le plateau. Je vais aller dans la même lancée que Chalamel. Vous parlez de désengorger la ville de Douala, délocaliser les endroits comme Mbopi, la rue de la Casse, kilomètre 5 avec les agences de voyage, quand Yabassi, pour éviter tous ces cas d'accidents, d'embouteillage qu'on a pratiquement dans toute la ville de Douala. Et puis en plus, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Je trouve qu'on a de l'espace dans les lieux indiqués pour justement délocaliser ces personnes et les envoyer de l'autre côté, en dehors même de la ville de Douala pour exercer leur activité, pour qu'on ait une ville propre, propre et fluide. En tout cas, Florazé, rassurez-vous, c'est un bon pactole, un joli visage que le Cameroun compte montrer aux yeux de l'Afrique et même du monde en 2019, lors de la CAN 2019, pour rester sur ce registre-là. C'est cette image de Douala qui sera ainsi présentée à tous ceux qui viendront visiter le Cameroun pour vivre cette messe du football du continent africain. Également sur ce plateau ce matin, Boro Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je me pose une question ce matin. La brigade de gendarmerie du quartier Ndokbong à Douala serait-elle devenue un détachement de la Gestapo? La question est posée, c'est vrai, nos confrères de la nouvelle expression. Bon, le mot Gestapo, eh bien, ça renvoie quand même. Je m'interroge. Oui. Parce que nos confrères, si un sujet fait la une de nos confrères de la nouvelle expression, ça mérite bien qu'on s'y attarde un petit peu. Un compatriote qui a été interpellé par les éléments de cette brigade a saisi la sécurité militaire de Douala pour porter plainte contre certains de ses agents. Ils l'ont bastonné. Il a été subi à des sévices inhumains. Donc, la sécurité militaire, je pense, va s'y pencher de près pour voir si c'est un détachement de la Gestapo. Non, vraiment, on va être beaucoup plus mesuré que ça et ne pas renvoyer à la Gestapo. Non, moi, mon problème, c'est que le porte-parole du gouvernement, quand le DAC va sortir, Amnesty International va dire qu'il y a un complot international contre le Cameroun. C'est le lieu pour moi d'interpeller les gendarmes et ces policiers en disant mettez la pédale douce.
même si vous interpellez quelqu'un, bastonnade là de 22h à 3h du matin, on vous tape le plan des pieds en vous mettant dans les balançoires. Bon, voilà. Voilà, tout à fait. Et merci beaucoup, Boro Bengan, qu'on va retrouver tout au long de l'émission dans ses différents commentaires avisés et surtout très sages. On va démarrer cette émission avec justement la première articulation et le premier sujet qu'on met sur la table avec Tendance La Voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais saluer Madame Foyang, point, 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 point. Je ne parle pas de Madame Foyang, matin de Bafoussa et de Tchang. Non. Je parle de Madame Foyang, point, 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 point. Ton mari se plaint à moi. Il y a beaucoup de Foyang. Il dit que ton comportement le frustre. Que depuis un bon bout de temps, tu as Tchang. Chaque fois, quand tu as un problème, donc, que c'est de temps, que tu n'as pas de folie atteint le sommet. Voilà le vrai mot qu'il m'a dit. Que, mais qu'est-ce que mon épouse me veut? Qu'est-ce que la femme là, c'est quelle frustration ça, qui ne se sent plus homme bonbon. Il dit que chaque fois, sa femme est en train de prendre l'exemple sur ses copines, sur ses voisines, sur ses soeurs. Qu'elle veut demander quelque chose, elle dit à son mari que hein, tu es là, tu ne fais rien pour moi. Quand tu regardes Madame Awo, Awo qui a bilongé, tu sens que c'est une femme qui vit chez un homme. Moi, je suis là, tu ne m'entretiens même pas. Et tes enfants mangent à peine. Quand tu vois Mamado, elle est à la rue, cotise les trois noms. Tu sens que je suis une bonne femme au foyer. Hein? Mais voici, tu me négliges. Mes enfants ne mangent même pas d'eux. Hein? Mais voici. Donc, ce qui énerve son mari, c'est que chaque fois, il est en train de prendre l'exemple sur des gens pour parler à son mari. Que regarde, tu as d'abord rationné comme Dieu. Hein? Alors que là-bas, chez ma Sarah, son mari rationne que 10 000 francs par jour. Regarde comment tu me fais. Hein? Quand tu me vois, j'ai tout perdu le poids. Hein? Quand tu vois Madame Ninche, on sent que je suis une femme qui avait un homme. Elle est bien dans son foyer. Quand tu vois les enfants de tel, tu ne sais pas, tu ne vois pas comment le monsieur prend le temps de s'occuper de ses enfants. Et tout, qu'il est fatigué du comportement de sa femme. Tu es en train de prendre l'exemple sur les autres femmes. Et ses copines, et ses nièces, et ses soeurs, et ses voisines, et ses voisins. Donc il est fatigué par le comportement de son épouse. Est-ce qu'on va prendre l'exemple sur des copines? Quand on a envie de parler à son mari, point d'interrogation. Donc il dit que si tu. Monsieur Foyang se plaint que si son épouse a lui dit, elle n'a qu'à lui dire sans prendre l'exemple sur les gens. Que, hein, comme tu vois Flora dire à maman, la mère que son gars l'arrange, la mère voici ici là. Tu avais moi comme ça, tu ne fais rien. Tu ne peux rien faire pour moi. Même quand tu rationnes, tu fais ci. C'est ça qui ronge son mari. Et toutes les femmes vont nous écrire. Donc, l'aider messagement, moralement et physiquement. J'en ai terminé. Voilà l'histoire de ce matin qui nous permet une fois encore de toucher du doigt ces cas de société qui dirigent notre vivre ensemble, mais également la possibilité pour nous d'évoquer ici la possibilité pour chacun de mener sa vie comme il entend. On dit souvent, il faut toujours accrocher son sac là où sa main peut le décrocher pour dire que dans la vie, on vit chacun dans sa manière et sa capacité à tenir les décisions qu'on prend. Et que le plus souvent, lorsqu'on s'accroche au regard d'autrui, d'ailleurs, je prends là aujourd'hui également le sourire pour vous dire combien je suis heureux de citer Jean-Paul Sartre pour la deuxième fois cette semaine en évoquant le regard d'autrui, qui est un regard qui souvent peut nous tromper parce que on croit toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin et pourtant on pourrait bien se tromper. Les apparences, dit-on souvent, sont trompeuses. Alors Florazé, quel est votre commentaire sur ce sujet? Je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous. L'idée qui veut que chacun vive selon ses moyens, à la hauteur de ses moyens. C'est chacun qui crée son paradis, c'est chacun qui crée son idylle. Mais dans le cadre bien précis ce matin, je crois que cette femme est en manque d'amour. Vous savez, quand une femme ne donne excessivement en couple et ne reçoit pas, à un moment donné, s'attend à ce type de comportement. Vous savez, dans le couple, la femme, sa première force, vous savez, c'est sa parole, c'est sa langue, c'est sa bouche. Donc, elle estime que en rappelant monsieur sur un certain nombre de choses, sur un certain environnement dans lequel ils vivent,
il va peut-être se poser des grosses questions, des questions primordiales de leur couple. Je crois que c'est ça le problème. Bon, maintenant, dire à quitte à dire qu'elle le fait parce qu'elle voudrait vivre la vie des autres, non. Il faut toujours attirer l'attention d'un homme, surtout qui n'est pas, qui tend à ne pas voir, à ne pas écouter, à même pas céder le dialogue dans le couple. Et vous allez constater qu'il y a des femmes, justement, c'est-à-dire qu'elle prend un exemple sur vos prochains, c'est-à-dire que tu es toujours tu es tout le temps en train, tu marches avec Cédric, mais est-ce que tu ne vois pas comment Cédric est et si, etc. C'est pour attirer l'attention. Et nous, justement, on le fait souvent même avec les enfants. Ça veut dire que pour motiver l'enfant à avoir de très bonnes notes, avoir un comportement irréprochable à la maison, on a souvent tendance à prendre des exemples. Tu n'as pas vu le fils de mon beau qui est sorti premier de la salle de classe. Alors, si tu veux être comme lui, il faut. Non, je ne crois pas qu'il faut voir le mal dans ce genre de comportement, Eric Fokoussi. Quand une femme est en manque d'amour, oui. Je lui dis que vous avez même les moyens, ça va toujours, ça va se refléter, ça va se voir, et la femme va en avoir marre, elle va s'exprimer. Mais sauf que là, je pense, évidemment, c'est une question d'argent. Non, c'est une question. Les exemples qu'elle cite, lorsqu'elle parle de trois noms à la réunion, on sent très bien que c'est une question d'argent. Que ça habille bien, la personne est fashion, c'est bien une question d'argent. Non, parce que je dis qu'au-delà de l'argent, justement, au-delà de l'argent, on a souvent évoqué ce type de sujet ici. C'est que là, c'est une femme frustrée, justement, Eric Fokoussi. C'est-à-dire que quand vous avez un homme qui vous aime, oui, mais vous le restez, non, attention, n'ouvrez pas le pouls d'une femme frustrée, vous le répétez toujours à consommateur. Oui, mais Eric Fokoussi, parce que l'homme dit dans l'histoire qu'il a dit ça, il a toujours le peine. Ah. Il a dit tendance, ma femme, le fils, non. Votre femme veut justement que vous arrêtiez à un moment donné. Observez votre femme. Qu'est-ce qui ne va pas en elle? Qu'est-ce qui manque? Ce n'est pas toujours le moyen financier. C'est ça qu'elle dit comme ça. Mais moi, j'ouvre un peu les vannes pour dire qu'on a besoin d'amour. Et l'amour aussi, ça se manifeste par des gestes au quotidien. Ne croyez pas que c'est le fait de mettre 3000 francs au chevet du lit de la femme qui arrange tout dans le couple. Non, il y a des attentions au-delà de l'argent. Moi, en fait, c'est mon point de vue ce matin et je le soutiens. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une manière beaucoup plus commode de faire en sorte que son époux, son mari, puisse accorder une certaine attention financière à nos problèmes, que de passer par ce chemin un peu alambiqué, de faire des rapprochements qui n'ont pas de sens. La première et je pense la meilleure manière que nous conseillons à nos filles, à nos femmes, c'est deux proverbes africains que je vais essayer de traduire. Le premier proverbe, on vous dit, les doigts, la main, n'ont ni la même longueur, ni la même épaisseur, ni la même. Donc, ne sont pas égaux. Mais c'est les doigts d'une même main, d'une même personne. Deuxième proverbe, on dit, la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. C'est-à-dire que l'éléphant, il se déploie, il fait ce qu'il veut. La souris est dans son niveau, il se déploie, il vit de sa manière. Voilà les deux termes. Nos enfants, filles et garçons, lorsqu'ils grandissent en intégrant ces deux orientations-là, ça pousse effectivement à l'amour. C'est-à-dire qu'au niveau où est, qu'est-ce qu'on appelle l'amour? On dit l'amour n'est point envieux. Une simple point d'ordre. L'amour n'est point envieux. Oui. C'est-à-dire, vous n'ouvrez pas les yeux. Voilà, oui. Bon, vous appelez ça comme vous voulez. Vous ne regardez pas. Vous dites, qu'est-ce que mon mari a? Comment je m'organise avec le peuple? Voilà. Moi, je suis une souris dans une forêt où il y a des éléphants. Mais les éléphants vivent. Moi aussi, la souris, je peux vivre. Je vis dans mon milieu, j'organise mon milieu. Et je suis heureux dans ce milieu-là. Absolument, parce que Dieu m'a créé souris. Je suis la souris, je reste là, dans mon milieu. Donc, le manque d'amour ici, je ne pense pas que ça puisse intervenir véritablement. Maintenant, il y a ce qu'on peut appeler, est-ce que c'est le terme rivalité? Non. Mais j'allais dire, lorsqu'on compare les enfants, il y a des défis que les hommes même en général se lancent. Mais c'est des défis pour porter la société vers le haut. Vous ne pouvez pas dire à votre mari, mais Madame Kenyé, montez trois têtes à la réunion. Moi, je ne parviens même pas à honorer les cotisations, non. Si vous entrez dans la cotisation, la même cotisation que Madame Kenyé, qui a des voitures, vous n'en avez pas, prenez votre taux normal de 1000 francs, 2000. Elle peut cotiser 5 000, 10 000, 3 fois.
vous la laissez, elle cotise ses 30 000 par semaine. Vous avez vos 1000 francs que vous cotisez par semaine. Et ça correspond à la, je veux dire, à la caisse de solidarité, à ce qu'on va vous allouer en cas de bonheur, de malheur ou de quoi que ce soit. Donc, vous vous conformez à ça. Donc, cet homme, et c'est Charles Lamel qui le dit, je termine par là. Il a commencé. Il faut bien que j'ai créé ici à Douala, il dit dans le littoral, une antenne des violences. Des violences. Parce que nous, le fait que l'homme ne se plaît pas, heureusement qu'il a commencé à parler à tendance. Vraiment, parce que moi, je vais regrouper tous les hommes qui ont des violences, là, qui subissent les violences morales et tout ça. On va s'organiser à Douala. L'antenne nationale est à Yaoundé, le siège national est à Yaoundé, mais je vais créer. Alors, dans mon âge. À 28 ans, j'ai dans les rides partout parce que chaque fois, j'ai pris les problèmes des gens. Je n'arrive même pas à dormir, on m'appelle par-ci, par-là. Laissez-moi me reposer, même un peu, non. Regardez le visage d'une fille qui n'a que 28 ans. Vous n'avez pas pitié de moi. Je donne mon point de vue. Bien sûr, mais ton point de vue, tendance. Je vais dire, on se connaît entre nous les femmes. Quand une femme veut tromper son mari, elle commence à chercher les motifs. Qui ne te dit pas si dans le foyer là, c'est la famille de la femme qui rassure. Les noms que tu cites là. Par contre, oui, tu peux être avec ta copine. Son mari rassure, ses enfants mangent bien. Qui ne te dit pas si c'est la famille de la fille qui rassure là-bas. Tu arrives chez une fille, tu vois 20 000 francs sur la table. Elle a te dit que non, c'est la même de la ration, alors que ce n'est même pas son argent. Que les femmes arrêtent ça. Vous n'allez pas pousser vos maris à aller entrer dans le femme là parce qu'on doit vous satisfaire ou vous faire plaisir. On accroche son sac où on doit décrocher. L'amour vrai, c'est qu'on marche avec, mais si on n'est pas là pour regarder ce que tu es. Si moi je regarde les choses des gens, ce que je ne dis plus. Tu comprends mon bon? Quand vous me voyez là, j'ai quoi? En dehors de ma petite voiture que tu connais là, j'ai déjà encore quoi? Vraiment. Hein? Quand je roule avec la voiture, qu'il n'y a pas le carburant, on s'affume trop. C'est à mon niveau. Ça, mon niveau n'est pas besoin d'acheter une grosse voiture. Parce que notre femme a un trado, tu vas dire que oui. Viens dans ma réunion, voir comment les filles cotisent. Les filles de ma réunion, c'est le fait toi. Ce n'est pas qu'on avait dit qu'on avait dit que. Dans ma réunion, les filles sont prêtes, mon bon. Tu vois, une fille qui s'habille comme ça, met une ballerine de 2000 francs au pied, elle a lu l'engesse au cou. L'engesse, c'est la chaîne en or. Tu vois, une gars qui prend même 8 chaînes en or, elle met au cou l'engesse. Elle vient avec la ballerine de 2000 francs au pied, elle te cotise 200 000 francs. Si elle commence à arrêter ton beau, il dit que telle personne cotise 200 000 francs, donne ta part. C'est pour le pousser à aller dans le femme là. Et quand vous voulez tromper au mari, vous créez les motifs. Vous venez mentir que ma copine telle a fait que, il y a une nouvelle sortie des greffes là. Pourquoi moi je n'ai pas? Moi, mais qui ne met pas souvent les greffes brésiliennes, je suis morte. Ça, c'est la malaisienne qui est sur la tête. C'est la malaisienne ici. Mais je ne meurs pas, c'est mon niveau. Voilà. Arrêtez-nous ça vite fait. Merci donc. Évidemment. Chalamel, on est là en présence d'une femme qu'on pourrait qualifier de dangereuse. Une femme qu'on devrait très rapidement mettre en quarantaine. On ne devrait pas la mettre en quarantaine, mais on devrait la chasser. On devrait la virer, la congédier de ce foyer. Avec toutes ses affaires, y compris la poussière. C'est-à-dire même la poussière de ses pieds ne devrait pas rester dans cette maison. Parce que cette femme souffre d'un complexe Nefertitia. Elle est malade. Contrairement à Florazé qui pense que c'est une meuf frustrée, elle en manque d'amour, elle en manque de si. Je tiens à préciser à Florazé que pour faire ce genre d'exercice, il faut être un espion du type MI6, CIA, KGB ou peut-être du Mossad. Être infiltré pour savoir comment est-ce que ces femmes vivent chez elles. Voilà une femme qui marche avec un miroir, pointée vers ses voisins. Florence, aujourd'hui, elle regarde, elle évalue, elle se fait un prix. Elle regarde X, elle l'évalue. Elle regarde Y, elle s'évalue. Elle fait la synthèse dont la copie sera réduite à son mari le soir. Voilà comment des femmes vivent. Moi, je n'ai pas de chose. Cette femme, elle est infidèle. Parce que ça commence par là. Et après, elle va se retrouver à séduire le mari de X ou de Y sans se rendre compte qu'ils ont leur réalité. Tout ce qui brille n'est pas or. Mieux vaudrait vivre de l'être que du paraître parce que derrière l'être se cache toute la grande grandeur de l'individu. Alors, qu'est-ce que je ferais? Je vais ouvrir une radio ou alors tout simplement une page Facebook.
intitulé La fabuleuse vie de mes voisins. Et je vais la mettre comme administratrice parce qu'elle a le temps à s'occuper. De faire l'inventaire de la vie de ses voisins. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut remarquer ce matin pour cette femme-là. Et je le dis toujours à ceux qui ont tendance à penser de cette manière-là, que la vie d'un individu ne peut et ne saurait s'établir autour du matériel. Il y a des valeurs beaucoup plus importantes que cela qui font des vies, des carrières d'ailleurs aussi. Mais il faut voir, il faut vous dire que ce type de femme en rien ne s'occupe de son mari. Elle prépare mal, elle s'occupe difficilement de la vie conjugale, de son intérieur. Son salon va rester constamment petit. Les meubles ne vont jamais suffire parce que les meubles de Madame Ondobor, les meubles de Madame, je ne sais pas moi, Bogda, sont plus beaux que ses meubles. Ses toilettes, ses lieux d'aisance ne seront jamais à son goût parce que de l'autre côté, on a le marbre. La cuisine ne sera jamais grande parce que chez l'autre, vraiment, la cuisine est spacieuse. La cuisine est si, elle va passer toute sa vie à se comparer. Et j'irai jusqu'à vous dire que même sur le plan sexuel, elle trouvera que son mari ne fait pas mieux l'amour que ses X ou Y. Voilà ce type de femme. Voilà. Et lorsque vous laissez perdurer cela dans le foyer, monsieur, chassez-la. Je suis encore plus dur que vous. D'ailleurs, pour moi, c'est un motif de répudiation ou bien de cessation de fréquentation parce qu'une femme qui commence à vous mettre dans la tête et des mots de marque. Et tout ce qu'on appelle des marques, elle dit non, moi je pense que c'est des femmes très dangereuses qui font ce qu'on appelle le battu vu. Parce que telle personne a mis ci, a mis ça, la femme veut elle aussi faire ça. Donc c'est très compliqué de vivre comme ça. Je veux dire à Madame Foya, maman, je n'ai rien contre toi. C'est chaque femme qui se bat pour avoir sa place. Il y a les filles dehors qui cherchent le mari. Même qu'elles vont cajoler, se soumettre, il n'y a pas moyen. Comme tu as la chance de trouver ton mari, c'est plein à moi, je ne dis plus à personne. Non, la chance ne vient pas. Oui, je suis là, non. Il a aussi la chance de la voir. Non, je suis en train de lui donner les conseils parce qu'elle nous voit. Ton mari m'a dit qu'il devait te faire demander des regrets. Donc tu vois, lui, il voit. Donc maman, comme j'ai dit sur le plateau là, c'est pour que les téléspectateurs envoient les messages pour résoudre tous ces problèmes là. Je coupe quoi en te disant que pardon, il est très fâché contre toi et pas ce qu'il a dans le cœur, tu ne peux pas ce qu'il aime. Et tu es dit que le matin vu, telle personne a un sac à main comme ça, pourquoi pas moi? Tu es obligé d'avoir. Tu es obligé d'avoir ce que telle personne a. Vous marchez ensemble, tu connais où est l'entrée. Tu entres dans une maison, tu vois le lit qu'on a dressé, on a mis le bon drap. Tu sais que les gens dormi sur le lit là dans la nuit. Très bien. Que ça prenne fin. La vérité. Avant que vous ne parliez, Charlamel, d'ailleurs, je me rappelle d'un film que je regardais, un monsieur qui se retrouve 20 ans après, hein, 20 ans après dans la vie, et compare sa vie avec celle de ses camarades de classe d'il y a 20 ans. Alors, tous ses camarades sont des millionnaires, des multimillionnaires, c'est des gens célèbres, et lui, il a fondé une vie avec sa femme, avec son fils, petite vie famille, sans aucun problème. Alors, le mec, chaque jour, se fait un complexe. Il dit, mais comment mes amis ont pu réussir, et moi, je suis un raté. Jusqu'à ce qu'il se rende compte un jour, que ses amis, qui considéraient comme ayant réussi, lui font état de ce qu'ils vivent au quotidien, de leur vie, des cas de maladies qu'ils ont, des cancers et autres, et tout ce qui est. Et il se rend compte qu'en fait, ben, c'est lui le chanceux parce qu'il a un fils intelligent qui a 17 ans et qui va entrer à Harvard. Imaginez. C'est l'histoire d'un monsieur. Je peux même vous donner le nom parce que ce monsieur est tétraplégique à l'heure où je vous parle. Voilà. Ce monsieur, il est au niveau de Paris. C'est un cadre dans une structure. C'est à fond parce que tous les voisins achetaient les 4 derniers sorties. C'était l'époque des toilettes sans publicité. La femme lui a mis la pression que fait tout et tout. Nous aussi, on doit avoir une voiture. Il faut absolument vraiment le petit truc que tu as à la maison. Bats-toi. Elle a poussé son mari à un extrême bavardage. L'homme s'est endetté dans toutes les tontines qu'il avait. Il a pris une 4x4. 6 mois plus tard, il a chuté. On ne sait comment il descendait les escaliers. Il s'est frappé. Ouais. Il est tétraplégique aujourd'hui. Ni la voiture, ni l'argent, il n'a pas pu pouvoir le sauver. Ce monsieur, tous les jours. Ni la validité. C'est ça la fin. Ni la validité physique qui va avec. Alors, Florazé, votre réaction, et ensuite, vous prenez les messages. Mais vous savez, en relation. Oui. C'est chacun qui sait où il va. C'est-à-dire que je suppose que dans l'histoire de ce matin, ce n'est pas aujourd'hui que les deux se sont connus. C'est un couple qui a forgé
quelque part, qui a commencé quelque part. Quand vous prenez pour épouse une dame, vous l'avez étudiée, vous savez comment elle est. Et aussi, Eric Faupoussi, les manques, la femme en manque a le droit de s'exprimer. Non, ici, je ne demande pas à la femme, c'est-à-dire que de vivre sa vie à travers les autres. Vous savez qu'ici, je vais me contredire, je suis contre. Mais je dis que la femme doit s'exprimer dans le couple. Et une femme qui le fait déjà, et justement, pour attirer l'attention de monsieur, je suis désolée, a le droit de prendre certains exemples. Si une femme dit déjà à son mari que chérie, je ne suis pas très propre. Mais attendez, elle attire votre attention. Ça fait peut-être 3 ans qu'elle n'est pas allée faire les courses, s'acheter des nouvelles robes et tout. Alors, le fait qu'elle vous dise c'est mauvais, mais c'est pas une petite comparaison, faut pas toujours avoir peur des mots. Et donc, en relation, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, c'est chacun dans son foyer qui vit sa relation à la hauteur de ses moyens. Mais je demande aux femmes de s'exprimer. Et au monsieur qui fait la sourde oreille, madame a donc le droit à ce moment-là de prendre tous les exemples possibles. Vous n'êtes jamais là. Même vous avez X et Y à l'extérieur. Monsieur, je veux prendre les exemples avec ses amis. Alors, est-ce que tu sais que ta voix avec qui tu manges tous les jours, elle fait ça. Parce qu'il n'est jamais là. Je vais te prendre tous les exemples possibles pour attirer cette attention. Mais qu'est-ce que vous en savez sur ce que puisque peut-être je ne connais pas ta mot. Mais je vais dire n'importe quoi pour attirer l'attention sur le feu. Et je vais dire chacun qui fait son petit film. Quand on est en train de construire une vie, on ne sait jamais de quoi faire demain. Donc on se fait des films de quotidien. Et qui peut pourquoi pas se réaliser. Sincèrement, vous faites ça. C'est une blessure, c'est une atteinte à mon ego. Prenez soin de vos femmes. Parlez avec elles au quotidien, messieurs, et vous n'aurez plus ce genre de comparaison. Apprenez à écouter vos femmes. D'accord, en une seconde, Tendance l'a dit, je l'ai dit en une autre manière tout à l'heure. Si les autres qui sont à côté sont dans les moukouagnes, vous ne savez pas. Voilà. Le dehors est mauvais là. Vivez votre vie avec le peu de moyens que vous avez. Vous allez dire, je sais ce que je veux, d'accord, mais vous ne savez pas ce que vous ne devez pas faire. Dans la vie, c'est qu'est-ce que je ne dois pas faire, comment je ne dois pas commettre de fautes. Ce que vous dites est tellement sage. Je suis d'accord avec Bombok. Ne prenez pas mes propos pour une personne, c'est pas ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec Bombok. Mais que les hommes arrêtent un peu. Prenez soin de vos femmes et apprenez à les écouter au quotidien. C'est pour ça que celui qui s'est plaint, c'est tendance à les gens. Mais souvent, cette femme le fait. Mais qu'on a la version de l'homme, on appelle la version de la femme. Je veux la version de la femme. Aux hommes d'abord, je suis d'accord avec cette notion. C'est une valeur. Mais aux hommes d'abord, on peut utiliser toutes ces femmes de notion pour attirer leur attention. Cette femme n'est pas une nauséeuse. Elle est poisseuse. Voilà. Elle attire. Parce que j'imagine un peu les moments auxquels elle veut parler à son mari. Quand il a à te demander, cela soulève le sujet. La cuillère tombe. Quand elle veut regarder le journal, elle démarre le débat. Lorsqu'il veut dormir, elle a ses oreilles. Non, c'est compliqué. Mais à quel moment vous parlez avec votre femme? C'est compliqué. À quel moment vous allez raser la discussion? Au moment du repas, il faut parler. Vous refusez le dialogue. La discussion. Sur les lignes, vous refusez le dialogue. Devant la télévision, c'est le dialogue. Le dialogue se définit comme. Le dialogue devait être introduit comme le centre du Alors, chérie, comment tu as passé ta journée? Tu as passé une bonne journée? As-tu 5 minutes? Je sens que tu es concentré derrière le journal. Bon, après, fais-moi signe. Voilà comment c'est vite au dialogue. C'est le parti, moi, tu es la quotidienne 4 minutes. Quand tu as continué, laissez-nous respirer un moment. Nous avons trop de stress, nous avons trop de frustration dehors lorsqu'on a
permettez-nous de nous reposer. Mais, sauf que Michel Lamel. La maison doit être de repos et au nom d'un cœur, on se vient de le dire. Mais sauf que quand elle commence par ces modalités de politesse, d'accord. Et quand elle commence avec le vrai problème, vous trouvez qu'elle exagère un peu, qu'elle bavarde trop. Ok, quand d'accord. Quand elle touche le problème du doigt. Bon, Florazé, on a compris les messages maintenant, rapidement, hein, quelques messages pour être vraiment rapide, tout de suite. Vraiment rapide. Vraiment rapide, vraiment. Oui. On n'est pris pas le temps. Bon. Je pas quand même des SMS assez grossiers. Oui. Bonjour à vous sur le plateau. Ça fait bousculer. Je pense que parfois il faut souvent bousculer les hommes. C'est Diane Aloubaba qui réagit. Autre réaction, les hommes sont très durs avec des thèmes. Est-ce qu'on va... C'est vrai aussi, il faut. Parce qu'un philosophe, bon, SMS n'est pas terminé. Voilà, il faut juste dire que cette femme n'aime pas son mari. C'est Alvarez Cadet qui pense que la femme n'aime pas son mari. Autre SMS pour ce matin. Elle au moins a été bénie par Dieu pour être dans un foyer. Se plaindre est, pour de l'argent est un tort. Elle ne mérite, elle n'a pas sa place dans un foyer. Merci beaucoup. Je vous sens embarrassé, hein. Non, je veux. Charlamel, ça c'est une pique, je ne fais pas ça. Non, je respecte la vie de tes spectateurs. Parce que Florazé également a raison de penser qu'elle pense, hein, soyez-en sûr. Charlamel, le chacun, et comme je l'ai dit... Non, mais c'est toi qui pense. Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Cette femme n'a pas encore compris le sens de la vie. Si elle veut la vie facile, elle n'a qu'à aller chercher un emploi. Voilà, c'est le diable en personne. Combien de femmes cherchent le mariage de nos jours? Mais c'est pas faux non plus. Le mariage est dû. Pour qu'un homme t'amène devant le maire, il réfléchit. Mm-hmm. Et pour t'épouser, il faut d'abord faire un casting. Après, tu te rends compte que non, celle-ci que j'ai épousée, j'ai fait le rêve de casting. Mais t'en as envie, quand tu vois dans un homme célibataire, il ressemble à quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours penser que c'est l'homme qui a la femme qui a la chance d'aller en mariage. La femme vite fera, même à 60 ans, l'homme se marie. Donc la femme, elle ne se marie pas. Mais la femme, c'est tu te fanes. On te dit encore que c'était toi, tu dis non. Moi, j'ai 28 ans, c'est plus quand j'avais 20 ans. Je vais te dire, tendance. Là, j'ai des dames de 60 ans qui me regardent apparemment, qui ne font pas leur âge. Là, je pèse sur moi. D'accord. Mais c'est. Bon, enfin, Florazé, c'est aussi physiologique. Non, l'âge. C'est un débat qui peut se faire. Non, l'âge, c'est un débat qui peut se faire. Mariage. Mais quand vous dites qu'il y a des gens qui ont 60 ans. Non, il y a des jeunes filles qui nous regardent et il n'est pas. Le mariage ne serait pas les enfants. Qu'on dise. Il y a de bons temps qu'on dise et qu'on dise la vérité aux gens. Parce que les jeunes filles nous regardent aujourd'hui et doivent également avoir à l'esprit que leur vie se joue entre maintenant et 45 ans à la ménopause. Donc arrêtez de nous faire les leçons qui vraiment pour le on coup la ne sont pas prêtes. Les d'accord. Deux ont la chance, ont de la chance. Ne dites pas que c'est la femme qui a de d'accord. La chance d'aller en mariage. Merci. Non. La suite de l'émission après l'histoire du jour, place à la colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la charge du CIE au Cameroun. Quelle est la finalité réservée à nos chers amis, les huissiers du Cameroun, comme je les appelle, ou les huissiers de la rue? Où trouver un huissier? Quand le trouver? Comment l'utiliser? Autant de questions que je me pose. Y a-t-il de professions bénies ou de professions maudites dans ce pays? Je m'interroge, oui, je m'interroge sur l'attente décennale de charges par bon nombre d'huissiers frôlant déjà l'âge de la retraite dans ce pays. Savez-vous que la dernière organisation de l'examen de fin de stage d'huissier de justice date de 18 ans dans ce pays? Oui, ça fait beaucoup d'années. Ils sont là, Maître X, Maître Y, Maître Emos, Maître Bounia, on les appelle partout, Maître Wapi, mais ont-ils seulement une charge? Hélas, disons-le, la dernière session a eu lieu le 21, 22, 23 novembre de l'année 2000. Comment comprendre le fait que l'acte présidentiel
donnant des charges à ces mendiants de la justice ne soit jamais arrivé depuis bientôt 20 ans. Oui, je m'interroge. Pourquoi? Pourquoi devons-nous souffrir? Pourquoi doivent-ils souffrir? Tout entre les mains d'une et une seule personne. Savez-vous que près de 152 huissiers ont déjà traversé l'âge de 60 ans pour autant bénéficier d'une charge? Oui, sans pour autant bénéficier d'une charge. Ils sont là. Ils attendent toujours qu'on puisse se souvenir qu'ils existent. Savez-vous qu'à ce jour, on compte environ 187 huissiers en attente de charge qui attendent comme l'enfant de cirage le fameux décret présidentiel. On attend. On attend le décret. Le décret ne vient pas. La suite, vous la connaissez. Savez-vous que la douleur et la durée de ce combat, certains sont morts. Certains ont perdu leur titulaire. C'est-à-dire les huissiers titulaires pour ceux qui sont employés dans d'autres charges et dont ont du mal à exercer, à gagner leur vie. N'ayant pas près des mots ce jour, plus d'une soixantaine d'huissiers stagiaires et huissiers en attente de charge sont décédés faute de soins à cause d'un manque de moyens financiers. Qui pourrait se souvenir d'eux? Le conseiller spécial des affaires juridiques auprès d'une Koukouma? Le ministre de la Justice auprès d'une Koukouma? Ou alors qui? Trop de points d'interrogation. Savez-vous que bon nombre de ces huissiers de justice ont prêté serment depuis 1994 et n'attendent qu'un seul décret qui leur donnera la possibilité d'exercer pleinement? Monsieur le chef de l'État, pourquoi durcissez-vous? Libérez ces pauvres pères de famille qui sont obligés d'utiliser des voies de contournement obscures pour pouvoir vivre. Il est facile d'avoir un huissier avec 5000 francs. 2000 francs, 2500 parce qu'il veut rationner chez lui. Est-ce ainsi qu'on devrait se retrouver à vivre? Point d'interrogation. Savez-vous que ceux n'ayant pas de charges sont obligés de travailler pour le compte de leurs confrères, titulaires de charges, sans toutefois oublier de préciser qu'ils ne pourront pas signer un procès verbal de constat, par exemple? Que dire alors des erreurs matérielles constatées dans des décrets présidentiels? Un huissier, des charges. Gaoundéré, Yaoundé, un huissier, il a la charge, mais le nom est mal écrit. Vraiment. Il faut pousser. Alors, ce matin, donc, on aborde un sujet importantissime, puisque d'ailleurs, j'ai de nombreux camarades de promotion à l'université qui, aujourd'hui, sont également en attente de charge. On parle des 18 ans depuis que tout cela a été du récent, hein, que beaucoup attendent qu'on leur accorde une charge. Donc, on va surtout aujourd'hui le dire davantage parce que nos villes sont pourtant en déficit, hein, du ciel justice. Dans une ville comme Douala, par exemple, où grâce au régime spécial est prévu 75 charges, on a entre 20 et 24 charges tellement, seulement dans cette ville de Douala, comme d'ailleurs à Yaoundé. Ce qui pose un réel problème. Pourquoi? Pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi autant de lenteur dans cette dévolution des charges pour Bengane? Précisément parce que la réforme du système judiciaire camerounais est plombée. Vous vous dites depuis une vingtaine d'années, non, on venait de nommer les huissiers de justice récemment. Mmh. Non, il y a d'autres qui attendent depuis au moins 18 ans. Voilà, non, je suis d'accord. J'ai dit donc c'est plombé. Oui. Et parce qu'on ne veut pas procéder à la réforme du système judiciaire camerounais. Mmh. Vous avez vu ce qu'on a nommé dernièrement, je pense en 2016, ça a provoqué la crise anglophone. Mmh. On a nommé les huissiers de justice francophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Or, dans le common law, dans le régime du common law interdit, l'avocat qui est installé dans ces deux régions fait office d'huissier et tout ce que vous voulez. Vous voyez donc que le régime fait une navigation à vue que nous dénonçons souvent, même dans la gestion de l'économie, des politiques et tout. Donc même dans la mise en place des institutions prévues dans la Constitution, c'est toujours la navigation à vue. C'est-à-dire quoi? Le Conseil supérieur de la magistrature s'occupe du magistrat. Il a bien parlé du secrétaire permanent de ce conseil qui
davantage est le conseiller aux affaires juridiques du président de la République. Il est au conseil constitutionnel. Voilà. Mais il y a un autre, là, le professeur Alix Ndjong, lui aussi, il est conseiller aux affaires juridiques là-bas. Oui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je veux dire, lorsque nous disons qu'on ne peut pas dire à aucun moment ne donne de propositions, parce qu'apparemment, ils peuvent nous dire on a fait des propositions tous les mois et le chef de l'État ne fait pas. Mais dans la pratique, nous dénonçons ce qui se passe. Lors le recouvrement des créances seulement, vous voyez comment ça se passe. Parce que le huissier de justice qui a ce rôle de recouvrement de justice, il y a des citoyens qui gagnent des procès contre l'État. Il y a des dettes envers l'État. Que fait l'huissier? Il n'y en a pas assez. Ouais, ça devient... On les réduit. Maintenant, le chargeur... Bon, m'a diffamé. Tu, on va lui servir une citation directe. Oui. Voilà, on vient... Voilà à quoi on a réduit. C'est-à-dire que le renouveau a fait en sorte que tout le monde se débrouille. Les milieux des affaires, les opérateurs économiques se débrouillent. Les avocats se débrouillent. Les magistrats se débrouillent. Les notaires se débrouillent. Les huissiers se débrouillent. Tout le monde est dans le règne de la débrouillardise. Donc, vous ne pouvez pas, en vous inscrivant en première année de faculté de droit, vous inspirer d'un huissier. Parce que vous savez même pas ce qu'il fait. Vous vous inscrivez là, vous allez dire, mais apparemment quand on fait droit privé, on peut faire... Vous ne pouvez pas savoir, moi je me dis, je vais devenir médecin. Un autre me dit, je vais devenir huissier de justice parce qu'il a vu un huissier de justice travailler de telle manière ou de telle autre. Devenir, voilà, dans cette c'est pour ça que je parle de la navigation à vue. Donc, les métiers souvent nobles, pourtant nobles, bien structuré ailleurs, mais ici, chez nous, c'est la débrouillardise. La débrouillardise, il est là, il prête serment, mais il fait 20 ans. Il fait 20 ans, c'est comme ça. Il est clerc 20 ans quelque part. Quand il a, j'allais dire, la chance que l'huissier ait installé la présidence, les 20 ans, le 2 ou 3 jours, on lui envoie déposer une citation directe, servir une citation directe quelque part, ou peut-être être... prendre une décision de justice, on lui donne 5 000. Et tout, c'est tout. Alors, mais quand on voit le rôle prépondérant que l'huissier de justice doit jouer dans la mécanique juridique et judiciaire du pays au quotidien, lorsqu'on voit comment il intervient dans le cadre des procédures, par exemple, de titres fonciers au Cameroun, lorsqu'on voit également son rôle prépondérant dans les contrats qu'on peut avoir au cours de nos différents échanges avec sur le plan commercial, lorsqu'on voit comment ces huissiers-là doivent faire descendre sur le terrain pour soit faire un constat, puisqu'on parle souvent de constat d'huissier, et lorsqu'on voit tout ce qu'ils ont comme rôle, comme cheville ouvrière de nos habitudes au quotidien, on ne peut que s'offusquer de ce qu'ils soient aujourd'hui en sous-effectif, d'ailleurs, pour ceux qui ont la charge. Et surtout, mal considéré pour ceux qui sont en attente de charge, Charles Lamel. Voilà l'affaire, même de commencer par regarder ce qui se passe devant la communauté humaine. Quand cette affaire avait commencé, il fallait qu'il y ait des gens qui vont constater. Oui. Qui vont de leurs yeux faire office de caméra pour la justice. Quelle est la respectabilité qu'on a des huissiers de justice au Cameroun? Vous avez déjà vu comment on les chasse dans certaines zones. Vous avez déjà, je ne parle pas des individus, hein, je parle même de certains responsables qui chassent, qui traitent ces huissiers de justice comme des vauriens et malpropres. Oui, tout à fait. Je vous le dis. Oui. J'ai moi aussi été témoin de ce type de comportement, de huissier qui arrive pour faire un constat. Et le monsieur dit, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Pas. Alors, aujourd'hui, oui, cette profession est en crise. Faites un tour dans les zones rurales. Vous, peut-être même ici, là, ils sont en surpopulation. Il y a certaines zones où il n'y en a même pas. Il faut aller dans une autre zone, récupérer quelqu'un d'autre qui va venir faire, et il va venir le faire par abus. Ah oui, c'est très compliqué. Regardez la ville de Douala, 187 qui se baladent à longueur de journée, suppliant les problèmes passés. Arrivant par là, je suis maître tel, présentez-vous, il commence à gratter la tête. Pourtant, il a prêté ses mains. Le Cameroun est grand. L'Est en a combien? Moi.
Loin, c'est là combien? Moi, ne parlons pas dans la zone du Mbam alors. Dans la zone du Mbam, vraiment, c'est grave. L'extrême nord, ne soulevons pas de cas. Oui. Ces gars souffrent. J'ai vu un monsieur, un huissier de justice qui a prêté serment en 94, Eric Fopoussi. J'ai vu son enfant décédé à l'hôpital. Il n'avait même pas 5 francs. Il demandait aux autres personnes qui étaient là de l'aider. Pourtant, on l'appelait maître. Il faut dire que c'est des professions libérales et qu'effectivement, ils gagnent leur argent grâce aux émoluments qu'ils peuvent avoir suite à une affaire dans laquelle ils sont appelés à agir. Mais voilà. Sauf que ceux qui se baladent, les huissiers flâneurs, souffrez que je vous appelle ainsi malgré le fait que j'ai du respect, les huissiers flâneurs ne peuvent pas signer un procès verbal. Tout à fait. Le constat. Oui, c'est pourquoi ils le font sous la bannière d'un huissier qui lui a la chance. Et qui le torpille? Précise qui le torpille. Qui le torpille? Oui, vous allez vous retrouver des brillants jeunes gars qui sont passés par l'école, qui ont de la maîtrise et qui ont de la substance. Ils vont faire un constat, mais ils sont obligés de ramener tonton, papa, parce que celui-là a eu un réseau pour qu'on puisse se placer, pour que celui-là analyse, critique, avant de pouvoir poser ça. Et d'ailleurs, souvent, ils ont des arrangements aussi en termes d'argent qu'ils font souvent, et ils sont le plus souvent floués hein, sur ce plan-là. Et il faut aussi dire qu'ils sont, et je pense que c'est aussi l'une des perversités de l'histoire dont on parle ce matin sur cette fonction de l'huissier de justice, pour dire que souvent, ils sont obligés, comme vous l'avez dit, de quémander les problèmes de justice. Mais oui. Vous avez un problème avec votre femme à la maison. Oui. Viens rapide, vous dites non, fais un constat, je vois, c'est à la fin d'abord le foyer ou quoi. Donc il est tout de suite là aux aguets. C'est pour ça que je viens demandant de la justice. Allez faire un tour en de côté. Alors mon ange, vous allez les voir. Oui. On vous dit on a 152 huissiers de justice qui ont déjà atteint l'âge de 60 ans. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est Laurent Lesso qui ne veut pas envoyer les notes. C'est Jean Fouman à Kanti, ne voulait pas les porter. Mais quel est le problème? Sont-ils de trop? Auquel cas ne lancez plus, demandez aux gens de ne plus former. C'est grave. C'est extrêmement grave d'ailleurs, et c'est cela hein, qui nous permet d'avoir un petit courroux ou encore un grand courroux ce matin vis-à-vis de cette situation qui ne peut pas continuer ainsi, parce que ça dure, ça perdure et ça inquiète et ça interroge également sur ce plateau ce matin. Je pense à Maître Yonke, d'ailleurs à Yaoundé, là à Montée Anne Rouge, qui lui aussi attend depuis tellement d'années qu'on puisse régulariser sa situation, ce qui n'est pas le cas. Il est obligé souvent de jouer les conseils juridiques dans les entreprises, voir les patrons pour dire voilà, tel contrat. Voilà, donc c'est une forme de mendicité. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes dans les quartiers, des juges dans les quartiers, qui font passer, ils font des affiches à part pour tout problème juridique, bien vouloir contacter ce numéro. Mais vous n'êtes pas fluorisé. J'en connais pour tout problème juridique, bien vouloir contacter ce numéro. Vous appelez du Maître Tel, viens, tu connais pas la zone, la descente, tu tournes, tu vas me trouver. Voilà, et tu arrives, tu dis bonjour maître, il dit c'est quoi le problème? J'y te formule. Et autre perversité, souvent il se transforme également en avocat au final. Donc on ne sait plus trop quel est réellement ses frontières. Comment on a alors différentes fonctions. Donc ça crée tout ce qu'on a aujourd'hui comme perversité. Et on connaît l'huissier de justice comment? Parce que je ne sais pas, ils ont le bail de service pour se présenter. Non. Ils n'ont pas le badge de service, bon. Non. Comment reconnaître un huissier de justice et connaître que c'est un bon un bon huissier de justice? Parce que j'ai souvent mes problèmes, je manque à qui je vais transformer. Il y a une différence. Non, mais ils ont des cabinets. Il y a l'enseigne, huissier de justice, telle charge, le nom est écrit. Donc, c'est un peu comme les avocats. Dans leur ils ont leur cabinet, ils ont. Tout est bien précisé. C'est pour ça que vous voulez mettre dans le. S'il y a un bonhomme qui tapette hein, et dit que pour tout problème juridique, comme le dit Charles Abel, là, c'est le problème. Parce qu'on ça que parce qu'il doit avoir un lieu où. Les gars collent leur papier sur les poteaux électriques. Parce que si vous avez besoin d'un huissier, appelez à tel. Appelez ce numéro. Je voulais savoir s'il y a la différence entre l'huissier et l'avocat. Oui, il y a une différence. Il y a une très grande différence. La différence, c'est quoi? On commence d'abord par l'huissier. C'est l'huissier qui est les yeux de la justice. C'est lui qui arrive, tu dis qu'en date de temps, je suis arrivé, j'ai constaté qu'on a cassé la boutique de tendance qui est là, on est venu casser. Ah oui, je vois. Même si c'est la communauté qui casse.
Il constate. Il constate. Et si les gens son constat fait foi. Et si les gens des impôts viennent constamment prendre 1000 francs, on fait comment? Il y a également un constat. Parce que si tu gagnes le procès contre l'État, il peut même saisir les biens de l'État. On les vend. J'ai un contrat avec vous. Voilà. Je ne veux même pas citer. Tous les jours, vous rôdez dans la cinquième. Je vous ai fait quoi? Vous me voulez quoi? C'est pour aider les enfants à ne pas rester à la maison. À un moment, tu sais de quoi je parle. Oui, tout à fait. Quand vous rôdez, tous les jours, vous êtes tous chez moi. Tous les, c'est quoi? C'est comment? Vous voulez faire quoi? Vous méritez tout ça. D'abord, je veux voir que votre mère. Tout ça. Je vais aller voir papa. Gustave Samba. Ebanda, autant pour moi. C'est toi que je veux voir pour résoudre mon problème. Parce que les éléments me dérangent. Vous me dérangez, je parle que sur le plateau aussi. C'est ce qui résout maintenant. Non, moi, je vais t'aider à trouver un huissier de justice qui va les servir. On les traite à justice. Oui, qui va leur faire une signification, une notification. Alors, vérité, c'est que aucun secteur au Cameroun n'est valorisé. Et bon, donc l'a dit, c'est un métier noble. Être huissier, c'est un métier noble. Après, maintenant, on peut avoir la capacité d'être avocat. Encore qu'on est dans un pays où les avocats sont maltraités, bousculés même. Ça ne se fait pas. Dans quel pays on bouscule, hein? On maltraite, on inflige des violences à des avocats. Donc, vous comprenez qu'on est... La lettre est rouge, Eric Fopoussi. C'est-à-dire que vous arrivez maintenant dans nos amphis, ou alors vous arrivez dans nos universités, qui sont bondées. C'est-à-dire que les étudiants, après le bac, arrivent en faculté de droit. Ils sont nombreux au quotidien. Mais alors, pour quel repère? Aucun repère, parce qu'il n'y a aucune valorisation, il n'y a aucune politique d'insertion, Eric Fopoussi. Et ça pose un véritable problème. Voilà pourquoi mes citoyens sont dans pas mal de problèmes. Déjà, on ne connaît pas qui est Lucien. Les bonnes questions, tendance les apposer sur maman, on ne connaît pas quel est le rôle de Lucien. Aller dans les quartiers, problème de bail tous les jours. Voilà, tout à fait. Si les citoyens, tous les jours, absolument. Si les citoyens avaient le rôle exact. D'accord. De Lucien, de l'importance capitale d'un Lucien au sein de la société. Au lieu d'arracher le. Non, mais on ne peut pas. La portée d'un vote, parce qu'on n'a pas peur. Vous saisissez des prospérer sur ce plateau que des gens acceptent ne pas savoir quoi sert Lucien. Non, mais je ne sais pas. C'est ce que Flora fait là. On le fait ce matin, ça, effectivement, les gens doivent apprendre à savoir qui fait quoi au quotidien. Je pense que sur ce plateau, on l'a suffisamment dit. Et sur ce, on va mettre une première pause à ce programme. A tout de suite, madame, messieurs. Retour donc sur ce plateau, madame, messieurs, pour la deuxième partie de votre émission 10-12, le Zénith, l'émission reconnue d'utilité publique, émission également qui traite des sujets de société, évidemment de l'actualité, qu'elle soit politique, économique ou culturelle. D'ailleurs, on est donc tout à fait en pole position sur tout. Les sujets qui dominent cette nation camerounaise. D'ailleurs, on en est tout à fait fiers. Et pour démarrer cette deuxième partie, on va prendre avec vous, Florazé, quelques messages de personnes qui nous font appel à nous. Tout à fait, Eric Fopoussi. On a Abachia Bana qui réagit, qui pense que la profession de huissier de justice souffre de beaucoup de maux. D'abord, l'absence de statut longtemps attendu, le statut TAD. Il y a également le problème non-paiement des émoluments. Il y a leur actif de cumul impayé à la caisse autonome d'amortissement qui remonte à 2003. Donc, le problème est évoqué à Bafia par M. Bana. Voilà. Autre SMS pour ce matin. On ne peut pas parler par rapport au problème des huissiers. Vous devez comprendre que l'huissier, les huissiers sont des emplois libéraux et les caisses publiques sont vides. Voilà pourquoi on se retrouve dans ce type de problème avec autant de charges. Il y a donc contradiction. On ne peut pas employer tout le monde. Libéral et les caisses sont vides. Alors, laissez libéraliser alors, comme disait le premier, sortez un statut où vous les mettez comme les avocats, vous les considérez comme les avocats. Non, ils ont leur. C'est pourquoi c'est bien précisé. Les huissiers ont ce qu'on appelle les émoluments, les avocats ont ce qu'on appelle les honoraires. Ça, c'est bien spécifié au final. Oui, mais sauf que l'huissier de justice, quand il peut être saisi
par le tribunal n'importe quel, voilà, pour aller faire des recouvrements. Tout à fait. C'est pour ça. Maintenant, pourquoi on ne sort donc pas le statut, comme disait ce monsieur de Bafrement? Tout à fait. C'est pour ça. Maintenant, pourquoi on ne sort donc pas le statut, comme disait ce monsieur de Bafial? Voilà. C'est là le problème. Est-ce que le chef de l'État conduit juriste, encadré par des juristes, il lui manque des preuves pendant 35 ans pour sortir un vrai statut de huissier de justice? Quand même. Autre SMS pour l'âge. L'âge idéal de la femme pour se marier est compris entre 18 et 25 ans. Or, pour l'homme, c'est sans limite. L'homme est comme un fromage. C'est quand il est vieux que c'est bon. La femme est comme une patate douce. Voilà. Tendance à dire ça tout à l'heure. C'est pas l'histoire. Voilà. Voilà. Par rapport à l'histoire du jour. C'est vrai, un philosophe a dit que le regard d'autrui nous parle et nous dit des choses, voilà, par rapport à l'histoire du jour. SMS, cette femme ne mérite pas le mariage. Merci. Une femme qui aime son mari et son foyer. Moi-même, je suis une femme, mais je ne peux pas le faire. Merci beaucoup, madame. Charlamel, je veux quand même faire une précision ce matin avant qu'on continue. c'est pas un match. Nous sommes pas un match où on apprécie les messages ou pas d'où on distribue les bons et les mauvais points. Laissons couler les messages. Tendance à dire, l'objectif c'est de consolider les couples. Oui. Voilà, donc laisse à la main l'apprécier. Quand on va dans la consolidation des couples, l'harmonie des couples, c'est normal. Mais on est dans l'harmonie des couples. Une fille va te dire que le mari n'est pas une femme en soi, parce que vous n'avez pas trouvé le bon homme. Vous n'avez pas trouvé le bon. Le bon existe. Oui. Non, en fait, la femme va te dire que le mari, que c'est quoi? Parce que vous n'avez pas trouvé l'homme qui va dire que chérie, elle t'épouse. Vous voulez décourager et déstabiliser les autres. Voilà. Chaque femme est mère dans un foyer bonbon. Absolument. Elle reste dehors comme ça que son mari appelle pour dire que tu es où? Tu ne rentres pas. Il est que l'enfant va manger quoi? Moi-même, je dehors comme ça que son mari appelle pour dire que tu es où? Tu ne rentres pas. Il est que l'enfant va manger quoi? Moi-même, je vais manger quoi? Ça manque souvent aux femmes. Si mon mari peut mourir, oui. Moi, c'est mon mari peut mourir. Donc les hommes restent mariés. Je reste sans me marier. C'est pas une femme de foyer, moi. Si mari là, on se lance. Comment du sujet. Ouais, on se... Moi, la femme de. Non, on est dans le sujet. Non parce que cette femme-là, elle se comparait aux voisins. Et elle nous regarde. Non, on est dans le foyer. Et on lui dit fais attention, sinon tu seras hors du foyer. Il y a les femmes dehors, mais il n'y a pas les femmes de foyer. Si tu n'es pas femme au foyer, tu me dis, moi, je cherche une femme à ton nom. Pendant la vérité, moi, j'ai le copine qui veut le mariage. La vérité, c'est que monsieur doit supporter. Quand ça arrive à la femme, on demande à la femme de supporter parce qu'il y a les hauts et les bas dans le couple. Que monsieur supporte également non, que la non. femme. On demande à la femme de se corriger. Aussi. On demande les à la femme hommes qui sont de se corriger. Les grands hommes qui sont en prison, Eric, je te coupe quelques secondes, mon père. Certains grands hommes qui sont en prison, c'est à cause de leurs femmes qui sont en gata. Si vous voulez, on mène les enquêtes. Les détourneurs de fonds publics, ce sont vos femmes. Non, c'est un sujet à explorer, tendance. Oui, ce sont vos femmes qui vous envoient dans les trucs. Je pense qu'il y a eu une enquête dans ce sens il y a quelques années déjà, qui évidemment faisait état de ce qu'il y avait des femmes un peu trop gourmandes en termes de goût, en termes de vacances qu'elles demandent. Et d'ailleurs, quand j'observe... Des femmes ou alors des copines de femmes, de gauche à droite. Des femmes aussi. Une femme accouche un garçon, elle dit que j'ai accouché ton héritier. Je vais moi partir au Canada, fêter ça. Pourquoi? Une bonne partie de ces femmes ont pris la poudre d'escampette. Une fois qu'ils ont été... Eric Fopoussi, dans ces cas-là, il y a beaucoup de femmes qui ont retrouvé leur véritable liberté. Depuis qu'on a incarcéré leur mari, il y a beaucoup qui ont retrouvé leur liberté parce qu'il y a d'autres qui vivaient l'enfer. Donc, à ce niveau, je crois qu'il y a une qui est en train de rédiger un livre qui paraîtra bientôt, Mon Enfer. Donc, à ce niveau, je crois qu'il y a une qui est en train de rédiger un livre qui paraîtra bientôt, Mon Enfer. C'est le titre que je vous donne, Mon Enfer. Alors, donc, pour les SMS, dans un couple, il y a toujours les hauts et les bas. Cette femme doit comprendre, n'a pas encore compris le sens de la vie. Donc, il faut. La vie n'est pas facile. Voilà. Continue.
Allez-y, Florangé. La finance vient en seconde position. Je ne sais pas pourquoi en seconde position. Car l'affection compte que tout. Rien que le manque d'amour peut pousser justement la femme à prendre tous ces exemples. En conclusion, c'est chacun qui crée son paradis et les saints doigts ne sont pas pareils. Absolument. Voilà. Les saints doigts ne sont pas égaux. Un dernier message, Florazé. Voilà. La torture au Cameroun est une réalité. Sous d'autres cieux, le procureur se saisirait de ce dossier. Dans ce pays, il n'y a jamais eu de procès contre la torture sur un agent de maintien de l'ordre. Mais les procureurs font le tour de toutes ces différentes cellules le vendredi. D'accord. Très bien. J'aime beaucoup ce moment de l'émission où on lit les messages et que chacun d'entre nous reste attentif pour voir si le message qui sera lu par Florazé ne vient pas soit apporter l'assentiment, soit venir contredire ce qu'on a pensé. Donc j'aime beaucoup cet instant de l'émission où les messages sont lus et qu'on attend justement le verdict de nos téléspectateurs. La suite de l'émission avec la revue des réseaux sociaux. Encore vous, Florazé. Oui. Alors, merci Eric Fopoussi. Deux informations pour cette journée. Nous parlons donc de ces cartons pour passeport qui se font de plus en plus rares. Ça se bouscule à l'immigration. Et on parle donc de... On justifie cette haine. Ça se bouscule à l'immigration. Et on parle donc de... On justifie cette indisponibilité due à l'insuffisance des fonds. Alors, selon certains témoignages, c'est depuis le mois de novembre que les cartons pour établir les passeports sont indisponibles. Les services de l'immigration sont de plus en plus bondés de monde depuis quelques temps. Cette situation est très désagréable pour certains. Depuis le mois de novembre, il est donc de plus en plus, on rappelle, difficile d'obtenir son passeport dans les délais. Et puis, de nombreux Camerounais ayant même soumis leurs demandes sont toujours à l'heure où on parle dans l'attente. On s'interroge par rapport à cette situation. Où vont donc les fonds qui sont donc recueillis pour ce sésame si cela n'est pas donc réinvesti au moins pour l'achat du matériel nécessaire pour la fabrication des passeports, on s'interroge. Et aussi, on retient que pour une meilleure utilisation des ressources, ce passeport pourrait ou alors devrait avoir une validité de 10 ans aussi. On s'interroge sur la toile. Et aussi, outre les défauts de carton, plusieurs passeports sont rejetés du fait de l'absence de certains documents, quelques erreurs aussi liées à des questions liées à la double nationalité. Au Cameroun, on le sait, pour obtenir un passeport camerounais, il faut prévoir une photocopie certifiée de l'acte de naissance, photocopie certifiée de la carte nationale d'identité, fiche de demande timbrée des photos 4x4 et un timbre de 75 000 francs CFA pour les frais de passeport proprement dit. Il faut pousser. Avez-vous déjà votre passeport? Florazé, vous me posez une question comme la colle. En tout cas, je rappelle que la validité du passeport, c'est 5 ans, hein, pas 10 ans. Donc, oui, non, Léa, c'est un héros. On souhaite que ça soit établi. Oui. 10 ans, hein, d'accord, ok. Mon passeport, il va se périmer l'an prochain. Donc, j'ai encore le temps pour qu'on puisse renouveler le stock des cartons. Mais cela montre quand même qu'on est dans un pays où gouverner semble un véritable problème. Parce qu'on sait gouverner, c'est prévoir. Et lorsqu'on prévoit, on ne peut pas se retrouver avec ce type de problème qu'on nomme et qu'on caractérise ici comme étant une rupture de stock. On l'a vu en santé avec la rupture, par exemple, des stocks de vaccins contre la tuberculose. On le voit un peu partout hein, dans les secteurs du service public camerounais. Donc, des ruptures qui arrivent comme ça et qui surprennent tout le monde. Ça montre quand même une certaine faille, une défaillance dans la mission régalienne qui est celle de l'État d'assurer. Le service public. Bon, Bengal, je commence par vous, votre commentaire. Non, ça montre la défaillance, comme vous avez dit, mais ça ne surprend pas. Ça surprend nous, les usagers. Mais eux, là-bas, ils savent bien le nombre de cartons qu'ils ont commandés. Ils connaissent la fréquence des demandes. Ils se connaissent bien. Ils ont toutes les statistiques, là. Dernièrement, il y a manqué de matériel dans des commissariats. Les gens viennent établir les cartes d'identité. Ils n'ont pas de matériel. On leur dit, demande de venir s'enregistrer à 3 heures du matin. D'autres
Et on vous dit, à Douala, par exemple, il y avait peut-être à un moment donné trois commissariats seulement qui pouvaient établir les cartes d'identité. Et il a fallu qu'on... Ils savent bien ce qui se passe. Le problème véritable, c'est qu'on a confié tout ça aux étrangers. Aux étrangers, on nous dit que les passeports, les cartons de passeport sont imprimés ailleurs qu'au Cameroun. Donc, c'est à l'étranger. Notre identité est confiée aux étrangers. Même notre état civil, qu'on laisse à l'emporte-pièce, on n'oblige pas les Camerounais à se faire établir l'acte de naissance, de la naissance, parce qu'il n'y a rien. L'acte de décès, quand on décède, pourtant beaucoup de corps vont à la morgue. Pourquoi on n'oblige pas les actes de décès immédiatement, c'est-à-dire... D'entreprise. Qui a donc mobilisé justement des jeunes, comme le jeune qui m'appelle a dit, les cas, même s'il si n'est pas de nationalité, je veux dire, même s'il a la nationalité française, il a dit, il est africain et porter ce type de projet pour lui, il pense que ça, c'est un coup de pouce plutôt à encourager pour l'Afrique. Et puis on sait tout ce qui est Georges Weah également. Il a dit, déjà, il était président avec il a été ballon d'or avec un seul stade dans son pays au Libéria. Il estime qu'avec le, s'il avait ce type de moyens, il sera aujourd'hui à 10 stades, à 10 ballons d'or. Donc pour lui également, il pense que c'est un financement qui a lieu d'être. Alors, Général de Gaulle disait que entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, aller en France chercher ce développement infrastructurel, pour moi, c'est déjà de la part du président du Libéria, qui a donc manqué là l'occasion de faire preuve de beaucoup plus d'intelligence en termes stratégiques. Merci donc à vous, Florazé, pour cette partie de l'émission consacrée à la revue des réseaux sociaux. Hein, pour suivre ce programme, madame, monsieur, tout de suite. Festival Fomafoot à 25 ans. La fête continue au Club Cantel de Mepanda. Venez passer des moments de rêve et repartez avec de beaux souvenirs. Ce jeudi 22 février, les compétitions, plateau découverte, best game et vivez une soirée 100% reggae. Vendredi 23 février, la belle caresse photo. Le berger. Et l'androïde, planète star, belle Katobi. Samedi 24 février, le grand retour de Stanley Eno et le roi Mwankum, Didier Yango. Dimanche 25 février, troisième étape, cœur et louange et en spectacle, Armand Cristal. Festival Fomaric 2018, célébrons ensemble. Retour donc sur ce plateau avec une expression très cinématographique. Hein. Attention, action, ça tourne. Voilà, tranquille, Fomaric, le festival qui se poursuit pour cette troisième semaine avec là-bas. Beaucoup d'action aussi, parce que ça tourne beaucoup là-bas. Et on accueille Prince Béroni pour en parler. Bonjour et bienvenue, Prince Béroni. Bien bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour à tout le panel. Bonjour à tous les festivaliers de Fomaric qui regardent religieusement ce programme 10-12 Le Zénith. Alors, comment se porte le festival Fomaric à cette troisième semaine? Ben, on va dire que le festival se porte plutôt bien. Donc, après les deux premières semaines qui ont été, je dirais, époustouflantes, nous sommes rendus à la troisième qui s'annonce encore plus alléchante. La pression va monter cette semaine parce que, justement, beaucoup ont apprécié jusqu'ici la programmation musicale. Et cette semaine, nous allons monter en puissance. Mais je dois préciser que il ne s'agit pas seulement des artistes au Festival Fomaric. Il n'y a pas que le manger et le boire. On vous l'a dit, mesdames, messieurs, chers festivaliers, 2018 au Festival Fomaric, c'est l'occasion de faire le plein des bonnes affaires. Donc, nous sommes ouverts tous les jours à partir de 8h. Donc, vous pouvez y faire un tour pour acheter à moins même du juste prix, à moins du prix public conseillé. Donc, visitez tous les stands et surtout, allez-y dans la journée pour savoir où est-ce que vous viendriez avec vos enfants pour leur faire plaisir, parce que nous avons justement déployé au Festival Fomaric sur plus de 3000 mètres carrés dans notre village de jeux et de loisirs, beaucoup de manèges de
de dernière génération dans les manèges pour les tout petits, pour les moins jeunes et même pour les adultes, dont nous vous attendons de ce côté-là. Nous allons également dire, Eric Fokoussi, que le Festival Fomaric 2018, je veux dire, les fruits ont tenu à la promesse des fleurs parce que le podium central du Festival Fomaric, c'est la principale attraction. Lorsque nous l'avions annoncé ici, il y en a qui ne croyaient pas, mais je pense que tous ceux qui ont fait un tour se sont accordés à nous dire franchement, félicitations, Papa Nkoti, parce que lorsque Prince Béronnier le disait à la télé, franchement, on n'imaginait pas que le Festival Fomaric allait atteindre ce niveau. Et je pense que c'est un pari que nous avons gagné. La ville de Douala est désormais fière d'avoir son festival. Je dirais même le Cameroun tout entier. Quel est donc le menu de cette semaine, Prince Béronnier? Le menu de cette semaine, on l'a dit, nous sommes jeudi. Il y a déjà les masterclass que donne Ngilania Matoto Guillaume au club Cantel de Bipanda. Les masterclass, c'est pour tous ceux qui veulent avoir des notions dans le domaine de la musique, clavier, solfège ou encore la guitare. Vous allez vous abreuver à l'école de Toto Guillaume qui a admis à son école tous les jeunes qui se sont inscrits pour les plateaux découvertes ou encore pour la compétition Cœur et Louange. Le soir à partir de 16h30, nous allons lancer la compétition justement plateau découverte dont la course à la succession de Sénel est ouverte. À partir de 18h30, ce sera Dance Game et dès 21h, on l'a dit, c'est une soirée 100% reggae dont les disciples et les adeptes de Bob Marley seront au rendez-vous pour un air de ce genre de musique et l'entrée sera de 200 francs CFA. Demain, ce sera vendredi, nous aurons sur le podium central l'une des plus belles voix, sinon de sa génération, l'une des voix les plus autorisées de la musique au féminin, au Cameroun et même en Afrique désormais, elle qui fait flotter le vert rouge jaune partout dans le monde, elle qui est comme Samuel Eto'o dans le football pour le Cameroun. Mesdames, Messieurs, Caresse Photo sera sur le podium central et d'ailleurs je suis avec elle sur ce plateau. Elle va vous confirmer une fois encore qu'elle sera bel et bien sur le podium central du Festival Fomaric. À ses côtés, nous aurons Belka Tobi, la méga gigatera bio webstar et le berger qui nous viendra du septentrion. Et en première partie, nous aurons les jeunes jumeaux KM et la petite diamant d'Amoïse. Je dois aussi préciser que la compétition Miss Master Super Loto Super 4 Fomaric sera également demain à la deuxième journée. Samedi, on l'a dit, ce sera le retour de Stanley Eno sur scène. Le roi Mwankoum Didier Yango sera là avec en exclusivité Renaissance sa toute dernière livraison. Et en première partie, nous aurons d'autres jeunes. L'entrée demain sera de 500 francs et 2000 francs pour le carré VIP. Et ceci est valable également pour samedi. Dimanche, on va clôturer avec la compétition Cœur et Louange. Et en spectacle, nous aurons Armand Cristal pour 300 francs et 1000 francs pour le carré VIP. Voilà. Donc, Prince Boroni l'a suffisamment annoncé, hein, la présence sur ce plateau de Caresse Fosso, c'est une impératrice absolue des valeurs culturelles et artistiques du Cameroun, une créatrice motrice de belles émotions. Bonjour, Caresse. Bonjour, Alette. Afiagne. Chaque fois qu'on se voit, on parle toujours en langue, hein, c'est cela. Alors, Caresse, que faites-vous au Cameroun? Comment on peut expliquer votre présence au Cameroun en ce moment? Je suis au Cameroun il y a deux jours pour participer au Fomaric. Dans le 23 février, je jouerai au Camtel, c'est demain, Camtel Club de Bepanda. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Je ne peux même pas manquer. Si tu manques, toi, tu sais, non, tu vas rater le show de ta vie parce que demain, je suis venue avec tout mon orchestre. Nous sommes arrivés au Cameroun, nous sommes arrivés 18. Donc sur la scène, vous aurez toute mon équipe technique, tous mes musiciens, les danseurs, tout le monde. J'ai déployé vraiment la grande artillerie digne du Fomaric, digne des 25 ans du Fomaric. C'est avec beaucoup de plaisir que je ferai le show demain. Donc, entre ta première scène pro hein, en 2000 à l'Abia, lorsque tu faisais la première de Lokua Kanza, et demain, l'histoire est grande, forcément c'est un gros chemin, et Caresse nous promet de belles choses pour ce public du Festival Fomaric. Ah oui, demain vous aurez tout mon répertoire, du premier au troisième album, toutes les chansons que vous aurez besoin, ils seront là. Donc, je vous promets vraiment un grand spectacle. Vous avez une seule chose à faire. La dernière fois que j'ai fait concert, c'était 25 000 francs. Vous avez dit que c'était pour les bobos. Donc, aujourd'hui, j'ai dit que 500 francs, tu viens à Bepanda, tu me vois en live. On se filme avec toi. D'accord. Et on fait un selfie ensemble, d'ailleurs. D'accord. Tout à fait. Merci.
Festival Fumarit a 25 ans. La fête continue au Club Cantel de Bepanda. Venez passer des moments de rêve et repartez avec de beaux souvenirs. Ce jeudi 22 février, les compétitions, plateau découverte, dance game et vivez une soirée 100% reggae. Vendredi 23 février, la belle caresse photo. Le berger. Et l'androïde, planète star, Belka Tobi. Samedi 24 février, le grand retour de Stanley Eno. Et le roi Mancoum, Didier Yango. Dimanche 25 février, troisième étape, cœur et louange. Et en spectacle, Armand Cristal. Festival Fumarit 2018, célébrons ensemble. Retour donc sur le plateau avec évidemment la suite de l'émission qui va avoir une autre accélération parce qu'on va aller avec la caméra de Cédric Chouna retrouver l'interpellation de ce matin. Oh, je vais seulement prendre un exemple banal. Pour moi, par exemple, si le ministre de l'enseignement supérieur décidait de déplacer faculté de droit, on envoyait ça par exemple à Yabassi, c'est un coin délaissé, je crois que ça va apporter du développement. Il y aura les commerçants qui vont s'installer, le ministre des Travaux publics qui sera obligé de mettre le goudron sur ce coin. Pour moi, c'est une idée qui peut apporter le développement dans nos coins reculés. Voilà, après avoir pris connaissance du contenu de l'interpellation de ce matin, commentaire en plateau avec vous, Charles Lamel, pour commencer. Et ensuite, on aura Flora Zebo, Benga, les tendances qui vont évidemment apporter leur contribution sur ce sujet. Charles Lamel d'abord. Alors, je suis d'accord avec l'idée, n'est-ce pas, lancée par le concitoyen. Mais je tiens à préciser que les 10 régions du Cameroun ont chacune une résidence du chef de l'État. À Douala, il y a la résidence du chef de l'État. À Garoua, il y a la résidence du chef de l'État. Il a des résidences partout dans le Cameroun. Si le chef de l'État, dans sa politique de grandes ambitions, de grandes réalisations et peut-être entre guillemets de grandes contemplations, il prenait la peine de descendre sur le terrain pour essayer de voir l'ampleur en termes de réalisation engagée, je vous assure que le simple fait de savoir que le chef de l'État à tout moment pouvait descendre allait faire en sorte que les choses changent. Je tiens à préciser que la dernière année où j'ai vu les gens se mobiliser, c'était dans les années 78-80 par là, où tous les 31 décembre, c'était un fait, une obligation pour tous ceux qui étaient aux abords des routes, de changer la couleur de la peinture de leur domicile. C'était une obligation. Comment vous expliquez par l'ancienne logique, vous étiez sanctionné. Toutes les maisons aux abords des routes devaient changer de peinture. Même lorsqu'on recevait un étranger, c'était de fait. Aujourd'hui, le laxisme est rentré. Les gens ne s'intéressent plus à ça. Les gens ne descendent plus. Vous avez une ville où vous demandez celui qu'on nomme. On le nomme pour gérer toute une cité, mais il a le cœur plus dur que la pierre. Comment est-ce qu'on arrive là? Abandonné depuis pratiquement 11 mois, des gens sans s'occuper. Voilà le type d'administrateur qu'on a mis en place. Des hommes sans cœur, qui sont loin d'être payés. On se demande comment ces personnes réussissent à entrer même à l'église. Ça, c'est des questions qu'il faut poser. De l'autre côté, vous avez la ville, vous avez l'architecture de la ville qui est tombée pratiquement en décrépitude totale. Les maires disent, c'est la communauté urbaine, allez voir le délégué vous renvoie en disant non, c'est les affaires, on ne sait plus qui est qui, la gestion des marchés, tout cela abandonné. Par conséquent, les villes, toutes les villes se meurent. Il a pris le cas d'Uncam. Combien de ministres sont de ce côté d'Uncam, dans toute la zone d'Uncam? Ils sont à la présidence. Vous avez à Tongo, il y a des gens qui sont des grosses élites de Tongo, qui sont à la présidence, qui ne foutent absolument rien, qui préfèrent s'arrêter dans le village voisin pour vivre. Vous allez à Fanda, vous allez vous rendre compte de ce côté, Dobian, vous allez vous rendre, Yabassi, vous allez vous rendre, ils sont pleins, tous ces élites sont pleins.
qu'est-ce qu'eux-mêmes font, quelles sont les idées qu'eux-mêmes mettent en place pour le développement. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas un ministre qui viendra en une journée, qui va faire mettre le bouton, peut-être la pouzolane, oui. Et donc, pour ceux qui, évidemment, au début de ce septennat parlaient du septennat des grandes réalisations, on pourrait aujourd'hui évoquer le septennat des grandes tergiversations. Parce qu'on a bien vu tous les programmes mis en place, les rétro-pédalages et les avancées faites et des retours en arrière très vite, évidemment, amenés par ces politiques gouvernementales. Florence, et votre commentaire. Oui, Eric Fokus, on est dans l'attente. Parce que le concitoyen tout à l'heure parlait au conditionnel. Et même ici, nous parlons toujours au conditionnel. On voudrait que ça soit ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Le discours du chef de l'État pour reconforter les jeunes, il a reconnu que tout est en chantier et qu'il nous a également reconforté en disant que justement ces chantiers vont prendre fin, seront effectifs. Donc on attend Eric Fokusi. Mais le constat est clair. C'est qu'on a un manque de créer d'infrastructures. Et puisqu'on parle de ces infrastructures peut-être liées à l'éducation au Cameroun, il y a même encore des étudiants qui se préparent du côté de l'université de Tchang à gréver. Non, Eric, il faut pousser. La situation est très grave. C'est très grave. Parce qu'on vit justement, on a l'impression que le monde est en train de s'émietter, le Cameroun est en train de s'émietter. Et c'est chacun qui veut rattraper un peu. J'ajoute un nom pour me rappeler quelque chose. Vous allez dans la zone de Dibom et Wodi Boshua. Et Wodi Boire, toute la zone de Wodi, il y a une élite là-bas qui s'est acheté son bateau, son yacht. Quand elle arrive, elle prend sa main dans sa concession, il se balade. Quand il rentre, pourtant le meilleur poisson, je vous assure, vous n'avez pas goûté le meilleur poisson que celui qui sort de Wodi. Il me regarde. Bon, donc, ensuite, vous allez également réagir ce matin. Je commence par là où ça l'a mis la chute. Les députés d'eau Collins et Joshua aussi ont mis en place une entreprise de pêche là-bas. Donc peut-être ils vont vous donner le poisson bientôt. Voilà. Non, 2004-2018, il me semble que ça fait 14 ans. Il y a 14 ans, l'homme Lyon lançait ce qu'il appelle le Cameroun des grandes ambitions. Et en grand titre, c'était priorité sur les infrastructures routières. Donc, on n'avait pas besoin du démembrement de l'université de Douala Yabassi pour engager des routes. Encore plus, bon, peut-être faut dire aussi aux citoyens que c'est pas la faculté de droit, c'est la. On a créé une école halieutique là-bas. Une école halieutique, voilà. Effectivement. Mais là, c'est moins grave. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en fait, permettez l'expression, le chef de l'État dit des choses et on cherche le contenu après. Et c'est moi, c'est ça qui me désole. Il vous promet un institut supérieur du sport. Et c'est au moment où il annonce le discours qu'on commence à dire que, mais quel est même le contenu qu'on va mettre dedans. Et ça prend 8 ans. Il vous dit, vous dites des grandes ambitions. Priorité grande routière, il ne met rien dedans. Donc attendez, quand quelqu'un a échoué, il a échoué. L'interpellation de ce matin qui nous a permis d'évoquer ce sujet ce matin sur la table, on poursuit l'émission. Avec évidemment, pour en parler ce matin, on va parler de santé justement. Et c'est Constilamine qui est là pour nous en parler. D'ailleurs, c'est du Vombio Omega 3 avec le concept Salaka. Il me signale de le dire, hein, sinon nous aurons des problèmes. C'est le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour. Oui, bonjour Eric, il faut le rappeler, hein, c'est un label qui marche plutôt très bien, le plus sénégalais des Camerounais. Et les téléspectateurs le seront très prochainement, parce qu'on ne cesse de me demander, mais pourquoi le plus sénégalais des Camerounais? Retenez que j'ai un côté sénégalais et un côté camerounais, mais le côté sénégalais domine. Alors, allez, Constilamine, on n'a pas beaucoup de temps. Comment se passe dans la livraison pour les clients qui sont hors de Douala? Alors là, c'est très important, Eric, de le signaler, hein, parce qu'il faut rappeler que de temps en temps, nous sommes face à cette situation. Les gens qui se posent la question, est-ce que si je passe ma commande, est-ce que si j'envoie mon argent, je pourrais avoir un produit vendu par le concept Salaka? Je vais vous dire oui, chers téléspectateurs, parce que quand un concept n'est pas crédible, quand un concept n'est pas sérieux, il ne peut pas passer sur les antennes d'une chaîne de télévision, et pas n'importe quelle chaîne de télévision, la chaîne de télévision Equinox Radio. Oui, il faut rappeler que Salaka, c'est à la radio et à la télévision, et bien entendu, les entreprises nous font confiance, alors pourquoi pas vous? Donc je tiens donc
ce matin à rappeler à tous nos téléspectateurs, ne vous inquiétez surtout pas. Aujourd'hui, le monde est fait de telle en sorte qu'on n'a pas besoin d'aller à Bafoussam, on n'a pas besoin d'ouvrir un point de vente à Garoua. Non, vous restez à Garoua, à Baminda, à Bafoussam, vous passez votre commande à travers le numéro de téléphone, vous nous expédiez votre argent, ça je vous le dis clairement, vous nous envoyez un message portant votre nom et quelques jours après, nous vous faisons parvenir votre marchandise. Voilà comment nous procédons avec tous nos clients. Et certains des clients qui sont du côté, bien sûr, des villes non loin de Douala, tels que Bouéa, Tiko, Limbe, Moutenguene, de temps en temps reçoivent la visite de l'équipe du concept Salaka. Mais ceux des clients qui sont à Bafoussam, à Garoua, à Maroua et même hors du Cameroun, le principe est très simple, chers téléspectateurs. Ne vous inquiétez surtout pas. Passez votre commande, quelle qu'en soit la marchandise, quel qu'en soit le produit, nous vous donnons les modalités, bien sûr, au lieu de la livraison. Et une fois que c'est fait, nous vous envoyons votre marchandise. On ne peut pas, bien entendu, duper nos téléspectateurs, parce que nous sommes un concept crédible, nous sommes repérables à travers la radio-télévision Equinox et à travers nos points de vente. Donc ne paniquez surtout pas, faites confiance au concept Salaka. Ça fait plus de 5 ans que nous fonctionnons et plusieurs clients nous font confiance. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi pas les autres? Donc faites confiance au concept Salaka et vous serez satisfait parce que Salaka c'est la qualité, c'est le sérieux, c'est la garantie et c'est bien sûr les meilleurs prix. Voilà, c'était bien entendu pour parler donc des livraisons. Nous allons donc revenir tout de suite au vu du sujet pour parler donc de notre vente bio Oméga 3 qui revient encore ce matin. Je rappelle qu'il coûte 5000 francs. Cette véritable potion qui vous permet, bien entendu, chers téléspectateurs, cette véritable solution, autant pour moi, qui vous permet de prévenir les AVC. Le vente bio Oméga 3 vous permet également de prévenir et de contrôler les complications du diabète. On va également rappeler que le vente bio Oméga 3 vous permet également de prévenir et de faciliter, bien entendu, tout ce qui a comme inflammation, de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Ah, bien entendu, chers téléspectateurs, plus besoin de se plaindre qu'on est victime d'un AVC, plus besoin de chercher de midi à 14h. Voici la solution qui est donc au Cameroun depuis pratiquement plus de 2 mois et qui fait déjà la fierté de tous les téléspectateurs d'Equinox Radio et Télévision. Il faut rappeler qu'on a des commandes qui viennent du Gabon, de la RCA, du Tchad, dans tout le Cameroun. Les gens sont très contents. Ils demandent et redemandent leur Vendio Oméga 3. Alors ce matin, je viens encore rappeler à tous nos téléspectateurs que désormais, on peut avoir son vendu Oméga 3 au plus de 5000 francs du côté, bien sûr, du concept Salaka ou alors, ne serait-ce que par simple appel à nos deux numéros de téléphone. Passez votre commande, comme je l'ai si bien dit, nous allons vous faire parvenir votre vendu Oméga 3. Et bien sûr, nos clients qui sont du côté de Yaoundé et du côté, bien sûr, de Garoua, une équipe sera en Gaoundéré dès demain soir et une équipe sera à Yaoundé pour essayer donc de livrer tous nos clients de Yaoundé. Et pour ceux qui sont à Douala, rendez-vous directement du côté, bien sûr, Franck. Et je rappelle que les premières personnes qui vont venir au club Camtel, non seulement vous aurez votre vendu au prix de 5000 francs, mais vous aurez chacun un morceau de savon de 400 grammes que nous allons vous offrir gratuitement. Parce que plus sénégalais des Camerounais Constilamine qui va rester avec nous sur le plateau le temps qu'on tourne cet élément et qu'on revienne juste après. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poils? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisinez santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%. Si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PPFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouettez, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle.
avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de me tuer ses dents. Oui, Gigi, avec Super Gant, manipulez des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue. Tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlé, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Alors, Concilamine, on parle donc ce matin de cette poêle Red Copper et des super gants. Bien sûr, de la qualité commerciale et rien que de la qualité commerciale avec le concept Salaka. Je vous l'ai dit, chers téléspectateurs, hein, c'est le sérieux. Bien entendu, après Van Dion, je reviens pour parler des poêles. Ce n'est que la qualité et rien que la qualité. Regardez le Nyanga. Aïe, cette poêle, on peut se mirer dessus parce que c'est tellement Nyanga. Ça donne l'envie de faire des omelettes. Ça donne également l'envie de faire frire son maquero. Hein? Bien entendu, c'est pas un bonbon qui me dira le contraire, l'homme qui aime les bars. Alors c'est l'occasion, plus que jamais, chers téléspectateurs, de vous rendre directement du côté, bien sûr, de la Fomaric au club Camtel pour acheter votre poêle Red Copper au prix de 15 000 francs, cette magnifique poêle. Je rappelle qu'elle est neuve, elle est arrosée de plusieurs années de garantie. Pour dire tout simplement, quand vous l'achetez aujourd'hui, votre enfant pourra l'utiliser demain, votre petit enfant pourra l'utiliser demain, ainsi de suite, parce que c'est la qualité en matière de poêle. Elle coûte 20 000 francs. Et nos amis qui n'aiment peut-être pas de l'huile, hein, retenez qu'on peut faire ses crêpes, on peut faire frire son poisson, on peut faire frire ses œufs sans utiliser de l'huile à travers, bien, avec cette poêle Red Copper, une poêle révolutionnaire commercialisée, bien entendu. En ce moment, je vous parle du côté, bien sûr, du stand du concept Salaka. C'est au club Camtel à Fomaric Bépanda. Et je continue à le dire, hein, tous ceux qui vont venir aujourd'hui au concept Salaka, quel qu'en soit ce que vous allez acheter, que ce soit un Von Dion Omega 3 ou alors votre poêle Red Copper, vous allez recevoir un morceau de savon de 400 grammes qu'on vous donnera uniquement pour aujourd'hui parce que c'est le mois de carême. À côté, bien sûr, des poêles Red Copper, on a bien entendu des gants de qualité supérieure, bien entendu, pour la cuisine. Hein. Plus besoin de se plaindre qu'on est victime des brûlures, plus besoin de se plaindre qu'on est victime, bien entendu, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a comme, c'est-à-dire mauvaise cuisine avec les super gants. La solution, elle est là. Donc aujourd'hui, tous ceux qui vont appeler et qui vont se rendre au concept Salaka à Camtel Bépanda auront l'occasion d'acheter cette poêle et une paire de super gants à 18 500 francs seulement. Et je rappelle que tous nos amis de Yaoundé, commencez à passer vos commandes dès à présent. Je vous donne rendez-vous ce week-end à Yaoundé. Et à partir de demain soir, une équipe ira du côté de Ngaoundéré pour tous nos clients, c'est-à-dire du Nord et de l'Extrême Nord. N'hésitez surtout pas, faites confiance au concept Salaka parce que Salaka, c'est la qualité totale. Et donc, merci beaucoup, Constilamine, hein, pour ces produits qui sont bien vendus et qui, évidemment, pourraient sauver beaucoup de ménages qui doivent avoir besoin de tous ces produits. Le temps pour nous de lire quelques messages des personnes qui nous regardent et qui souhaitent avoir voix au chapitre. Deux à trois messages, Florazé. Oui. Alors, il faut pousser. Il y a un téléspectateur qui dit qu'un RDPCiste a dit, en mondiovisant, je cite, en politique, ce qu'on dit le jour n'est pas ce qu'on fait la nuit. Vous voyez donc qu'avec ce gouvernement, nous ne pouvons plus rien attendre. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Autre SMS, savez-vous que gérer un pays, c'est faire les affaires, on s'interroge. Là où une personne échoue avec un capital donné, un autre avec le même capital peut réussir. C'est donc la manière de négocier qui compte. Voulez-vous que Georges Weah négocie l'avenir économique de son pays avec un pays africain, lequel alors? Ou alors il fallait qu'il aille voir les Chinois, en tout cas, Nigeria, voilà. Absolument. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est davantage mieux. La France est en crise économique depuis au moins 20 ans. Tout le monde le sait. D'accord. Un dernier message rapidement, Florazé. Voilà, juste pour dire que nous les jeunes, on a compris que les enjeux et que de nos chers dirigeants se mettent tout simplement plus en avant chez les Européens et que Emmanuel Macron, le jour où il viendra, nous allons prendre les choses nous-mêmes. Ce sera l'ère du changement. D'accord. Ah, merci à vous.
10-12, le Zénith, mesdames, messieurs, de ce 22 février 2018 rentre en gare. Merci à vous pour toute l'attention. Rendez-vous demain. Que Dieu bénisse le Cameroun. De l'éléphant. C'est-à-dire que l'éléphant, il se déploie, il fait ce qu'il veut. La souris est dans son petit niveau, il se déploie, il vit à sa manière. Voilà les deux termes. Et nos enfants, filles et garçons, lorsqu'ils grandissent en intégrant ces deux orientations-là, ça pousse effectivement à l'amour. C'est-à-dire qu'au niveau où est, qu'est-ce qu'on appelle l'amour? On dit l'amour n'est point envieux. Une simple point d'orgue. L'amour n'est point envieux. Oui. C'est-à-dire, vous n'ouvrez pas les yeux. Voilà, oui. Bon, vous appelez ça comme vous voulez. Vous ne regardez pas. Vous dites, qu'est-ce que mon mari a? Comment je m'organise avec le peuple? Voilà. Moi, je suis une souris dans une forêt où il y a des éléphants. Mais les éléphants vivent. Moi aussi, la souris, je peux vivre. Je vis dans mon milieu, j'organise mon milieu. Et je suis heureux dans ce milieu-là. Absolument, parce que Dieu m'a créé souris. Je suis la souris, je reste là, dans mon milieu. Donc, le manque d'amour ici, je ne pense pas que ça puisse intervenir véritablement. Maintenant, il y a ce qu'on peut appeler, est-ce que c'est un terme rivalité? Non. Mais j'allais dire, lorsqu'on compare les enfants, il y a des défis que les hommes même en général se lancent. Mais c'est des défis pour porter la société vers le haut. Vous ne pouvez pas dire à votre mari, mais Madame Kenyé, monte trois têtes à la réunion. Moi, je ne parviens même pas à honorer les cotisations, non. Si vous entrez dans la cotisation, la même cotisation que Madame Kenyé, qui a des voitures, vous n'en avez pas. Prenez votre taux normal de 1000 francs, 2000. Elle peut cotiser 5 000, 10 000, 3 fois. Vous la laissez, elle cotise ses 30 000 par semaine. Vous avez vos 1 000 francs que vous cotisez par semaine. Et ça correspond à la, je veux dire, à la caisse de solidarité, à ce qu'on va vous allouer en cas de bonheur, de malheur ou de quoi que ce soit. Donc, vous vous conformez à ça. Donc, cet homme, et c'est Charles Lamel qui le dit, je termine par là. Il a commencé. Il faut bien que j'ai créé ici à Douala, il dit dans le littoral, une antenne de violences. Une association. De violences. Parce que nous, le fait que l'homme ne se plaît pas, heureusement qu'il a commencé à parler à tendance. Vraiment, parce que moi, je vais regrouper tous les hommes qui ont des violences, là, qui subissent les violences morales et tout ça. On va s'organiser à Douala. L'antenne nationale est à Yaoundé, le siège national est à Yaoundé, mais je vais créer. À 28 ans, j'ai dans les rides partout parce que chaque fois j'écoute les problèmes des gens. Je n'arrive même pas à dormir, on m'appelle par-ci, par-là. Laissez-moi me reposer, même un peu, non. Regardez le visage d'une fille qui n'a que 28 ans. Vous n'avez pas pitié de moi. Je donne mon point de vue. Bien sûr, mais ton point de vue, tendance. Je vais dire, on se connaît entre nous les femmes. Quand une femme veut tromper son mari, elle commence à chercher les motifs. Qui ne te dit pas si dans le foyer là, c'est la famille de la femme qui rassure. Les noms que tu cites là. Par contre, oui, tu peux être avec ta copine. Son mari rassure, ses enfants mangent bien. Qui ne te dit pas si c'est la famille de la fille qui rationne là-bas? Tu arrives chez une fille, tu vois 20 000 francs sur la table. Elle va te dire que non, c'est la femme de la ration, alors que ce n'est même pas son argent. Que les femmes arrêtent ça. Vous n'allez pas pousser vos maris à aller entrer dans le femme là parce qu'on va vous satisfaire ou vous faire plaisir. On accroche son sac où on doit décrocher. L'amour vrai, c'est pas on marche avec, mais si on n'est pas là pour regarder ce que t'es. Si moi je regarde les choses des gens, ce qui ne vit plus. Tu comprends mon bon? Quand vous me voyez là, j'ai quoi? En dehors de ma petite voiture que tu connais là, il y a déjà encore quoi? Vraiment. Quand je roule avec la voiture, il n'y a pas le carburant, on s'assume trop. C'est à mon niveau. C'est à mon niveau, n'est pas besoin d'acheter une grosse voiture. Parce que notre femme a un trado, tu vas dire que oui. Viens dans ma réunion, vois comment les filles cotisent. Les filles de ma réunion, c'est le fait toi. Ce n'est pas qu'on avait dit qu'on avait dit que. Dans ma réunion, les filles sont prêtes, mon bon. Tu vois une fille qui s'habille comme ça, elle met une ballerine de 2000 francs au pied, elle aligne l'engesoku. L'engesoku, c'est la chaîne en or. Ah, oui, tu vois une gars qui prend une 8 chaînes en or, elle m'a au cou l'engesse. Elle vient avec la ballerine de 2000 francs au pied, elle te cotise 200 000 francs.
Si elle commence à arrêter ton beau, je dis que telle personne coûte 200 000 francs, donne ta part. C'est pour le pousser à aller dans nos femmes là. Mm-hmm. Et quand vous voulez tromper au mari, vous créez les motifs. Vous venez mentir que ma copine telle a fait que elle a, il y a une nouvelle sortie des greffes là. Pourquoi moi je n'ai pas? Moi, mais qui ne met pas souvent les greffes brésiliennes, je suis morte. Mm-hmm. Ça, c'est la malaisienne qui est sur la tête. C'est la malaisienne ici. Mm-hmm. Mais je ne meurs pas, c'est mon niveau. Mm-hmm. Voilà. Arrêtez-nous ça vite fait. Merci. Évidemment. Chalamel, on est là en présence d'une femme qu'on pourrait qualifier de dangereuse. Une femme qu'on devrait très rapidement mettre en quarantaine. On ne devrait pas la mettre en quarantaine, mais on devrait la chasser. On devrait la virer, la congédier de ce foyer. Avec toutes ses affaires, y compris les poussières. C'est-à-dire même la poussière de ses pieds ne devrait pas rester dans une maison. Parce que cette femme souffre d'un complexe néfertitia. Elle est malade. Contrairement à Florazé qui pense que c'est une frustrée, elle en manque d'amour, elle en manque de si. Je tiens à préciser à Florazé que pour faire ce genre d'exercice, il faut être un espion du type MI6, CIA, KGB ou peut-être du Mossad. Être infiltré pour savoir comment est-ce que ces femmes vivent chez elles. Voilà une femme qui marche avec un miroir pointé vers ses voisins. Florence, aujourd'hui, elle regarde, elle évalue, elle se fait un prix. Elle regarde X, elle l'évalue. Elle regarde Y, elle s'évalue. Elle fait la synthèse dont la copie sera réduite à son mari le soir. Voilà comment des femmes vivent. Moi, je n'ai pas de chose. Cette femme, elle est infidèle. Parce que ça commence par là. Et après, elle va se retrouver à séduire le mari de X ou de Y sans se rendre compte qu'ils ont leur réalité. Tout ce qui brille n'est pas or. Mieux vaudrait vivre de l'être que du paraître parce que derrière l'être se cache toute la grande grandeur de l'individu. Alors, qu'est-ce que je ferais? Je vais ouvrir une radio ou alors une, tout simplement une page Facebook intitulé La fabuleuse vie de mes voisins, et je vais la mettre comme administratrice parce qu'elle a le temps à s'occuper. De faire l'inventaire de la vie de ses voisins, d'ailleurs, c'est ce qu'on peut remarquer ce matin pour cette femme-là. Et je le dis toujours à ceux qui ont tendance à penser de cette manière-là que la vie d'un individu ne peut et ne saurait s'établir autour du matériel. Il y a des valeurs beaucoup plus importantes que cela qui font des vies, des carrières d'ailleurs aussi. Mais il faut voir, il faut vous dire que ce type de femme en rien ne s'occupe de son mari. Mmh. Elle prépare mal, elle s'occupe difficilement de la vie conjugale, de son intérieur. Son salon va rester constamment petit. Mmh. Les meubles ne vont jamais suffire parce que les meubles de Madame Ondomo, les meubles de Madame, je ne sais pas moi, Bogda, sont plus beaux que ses meubles. Ses toilettes, ses lieux d'aisance ne seront jamais à son goût parce que de l'autre côté, on a le marbre. La cuisine ne sera jamais grande parce que chez l'autre, vraiment, la cuisine est spacieuse. La cuisine est si. Elle va passer toute sa vie à se comparer. Et j'irai jusqu'à vous dire que même sur le plan sexuel, elle trouvera que son mari ne fait pas mieux l'amour qu'un certain X ou qu'un certain Y. Voilà ce type de femme. Voilà. Et lorsque vous laissez perdurer cela dans le foyer, monsieur, chassez-la. Je suis encore plus dur que vous. D'ailleurs, pour moi, c'est un motif de répudiation ou bien de cessation de fréquentation. Parce qu'une femme qui commence à vous mettre dans la tête et des mots de marque, et tout ce qu'on appelle des marques, elle dit non, moi je pense que c'est des femmes très dangereuses qui font ce qu'on appelle le battu vu parce que telle personne a mis ci, a mis ça, la femme veut elle aussi faire ça. Donc c'est très compliqué de vivre comme ça. Je veux dire à Madame Foya, maman, je n'ai rien contre toi. C'est chaque femme qui se bat pour avoir sa place. Il y a les filles dehors qui cherchent le mari. Même qu'elles vont cajoler, se soumettre, il n'y a pas moyen. Comme tu as la chance de trouver ton mari, c'est plein à moi, je ne dis plus à personne. Non, la chance ne vient pas. Oui, je suis la non. Il a aussi la chance de la voir. Non, je suis en train de lui donner les conseils parce qu'elle nous voit. Ton mari m'a dit qu'il devait te faire demander des regards. Donc tu vois, lui, il voit. Donc maman, comme j'ai dit sur le plateau, là, c'est pour que les téléspectateurs envoient les messages pour résoudre tous ces problèmes-là. Je coupe quoi en te disant que pardon, il est très fâché contre toi et pas ce qu'il a dans le cœur, tu préfères ce qu'il aime. Et tu évites le matin vu, telle personne a un sac à main comme ça, pourquoi pas moi? Tu es obligé d'avoir.
Tu es obligé de voir ce que telle personne a. Vous marchez ensemble. Tu connais où est l'entre. Tu entres dans une maison, tu vois le lit qu'on a dressé, on a mis le bon drap. Tu es sûr que les gens ont dormi sur le lit là dans la nuit. Très bien. Que ça prenne fin. La vérité. Avant que vous ne vous parliez, et Charlamagne, d'ailleurs, je me rappelle d'un film que je regardais, un monsieur qui se retrouve 20 ans après, hein, 20 ans après dans la vie, et compare sa vie avec celle de ses camarades de classe d'il y a 20 ans. Alors, tous ses camarades sont des millionnaires, des multimillionnaires, c'est des gens célèbres, et lui, il a fondé une vie avec sa femme, avec son fils, petite vie famille, sans aucun problème. Alors, le mec, chaque jour, se fait un complexe. Il dit, mais comment mes amis ont pu réussir et moi, je suis un raté. Jusqu'à ce qu'il se rende compte un jour, que ses amis, qui considéraient comme ayant réussi, lui font état de ce qu'ils vivent au quotidien, de leur vie, des cas de maladies qu'ils ont, des cancers et autres, et tout ce qui est. Et il se rend compte qu'en fait, c'est lui le chanceux parce qu'il a un fils intelligent qui a 17 ans et qui va entrer à Harvard. Imaginez. C'est l'histoire d'un monsieur. Je peux même vous donner le nom parce que ce monsieur est tétraplégique à l'heure où je vous parle. Voilà. Ce monsieur, il tâche au niveau de Bali. C'est un cadre dans une structure. Sa femme, parce que tous les voisins achetaient les 4 derniers sorties, c'était l'époque des toilettes, sans publicité. La femme lui a mis la pression que fait tout et tout. Nous aussi, on doit avoir une voiture. Il faut absolument vraiment le petit truc que tu as à la maison. Bat-toi. Elle a poussé son mari à un extrême bavardage. L'homme s'est engagé dans toutes les tontines qu'il avait. Il a pris une 4x4. 6 mois plus tard, il a chuté. On ne sait comment il descendait les escaliers. Il s'est frappé. Oui. Il est tétraplégique aujourd'hui. Ni la voiture, ni l'argent, il n'allait pas pouvoir le sauver. Ce monsieur, tous les jours. Ni la validité. C'est ça la fin. Ni la validité physique qui va avec. Alors, Florazé, votre réaction, vous prenez le message. Oui, vous savez, en relation. Oui. C'est chacun qui sait où il va. C'est-à-dire que je suppose que dans l'histoire de ce matin, ce n'est pas aujourd'hui que les deux se sont connus. C'est un couple qui a forgé quelque part, qui a commencé quelque part. Quand vous prenez pour épouse une dame, vous l'avez étudiée. Vous savez comment elle est. Et aussi, Eric Faupoussi, les manques, la femme en manque a le droit de s'exprimer. Ici, je ne demande pas à la femme. C'est-à-dire que de vivre sa vie à travers les autres. Vous savez qu'ici, je vais me contredire. Je suis contre. Mais je dis que la femme doit s'exprimer dans le couple. Et une femme qui le fait déjà. Et justement, pour attirer l'attention de monsieur, je suis désolée, a le droit de prendre certains exemples. Si une femme dit déjà à son mari que chérie, je ne suis pas très propre. Mais attendez, elle attire votre attention. Ça fait peut-être 3 ans qu'elle n'est pas allée faire les courses, s'acheter des nouvelles robes et tout. Alors, le fait que vous dites c'est mauvais, mais c'est pas si une petite comparaison, c'est mauvais. Non. Maintenant, chaque femme, pas toujours avoir peur des mots. Et donc, en relation, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, c'est chacun dans son foyer qui vit sa relation à la hauteur de ses moyens. Mais je demande aux femmes de s'exprimer. Et un monsieur qui fait la sourde oreille, madame a donc le droit à ce moment-là de prendre tous les exemples possibles. Vous n'êtes jamais là. Même vous avez X et Y à l'extérieur. Monsieur, je veux prendre les exemples. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith avec ce jour d'ailleurs le démarrage au Palais des Congrès de Bamenda du Congrès du SDF qui va donc se tenir dès ce jour jusqu'au 24 février prochain. L'occasion donc pour les délégués du SDF de renouveler le NEC, mais également au sortir de ce congrès on pourrait avoir le candidat du parti de la Balance pour la prochaine élection présidentielle. Et on va surtout saluer le courage de ce SDF là qui, malgré les menaces sécuritaires lancées par les sionistes, sont restés droits dans leurs bottes et ont tenu avec fermeté à tenir
leur congrès électif. Madame, monsieur, ceci dit, on va installer le panel pour ce matin. On commence avec vous, cher Lamel Mbachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à monsieur Thomas Awana Asumu. Awana Asumu, directeur des aéroports du Cameroun. Vous faites honte à ce pays. Les aéroports font honte à ce pays. Toilettes peu fréquentables. Installations électriques incohérentes. Saleté repoussante. Peinture défraîchie. Tous ces médias vous servent à quoi? Et lorsqu'on parle des ADC, aéroports du Cameroun, on pense également à Koki Asumu, également qui est dans le registre de ces personnes, évidemment, qui sont pointées du doigt dans cette gestion calamiteuse des aéroports du Cameroun. Et on va surtout dire que l'aéroport de Douala a subi plusieurs fois des réaménagements, mais jusqu'ici, on a du mal à voir clair dans les évolutions. Donc, comment cet aéroport-là pourrait avoir un visage beaucoup plus reluisant, surtout lorsqu'on compare avec des aéroports comme Lomé, comme Dakar, comme Abidjan, on se dit quand même que le Cameroun mérite mieux que ça. Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs, à vous sur le plateau. Je vais aller dans la même lancée que Chalamel. Vous parlez des désengorger la ville de Douala, délocaliser les endroits comme Mbopi, la rue de la Casse, kilomètre 5 avec les agences de voyage. Quand Yabassi, pour éviter tous ces cas d'accidents, d'embouteillage qu'on a pratiquement dans toute la ville de Douala. Et puis en plus, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Je trouve qu'on a de l'espace dans les lieux indiqués pour justement délocaliser ces personnes et les envoyer de l'autre côté, en dehors même de la ville de Douala pour exercer leur activité, pour qu'on ait une ville propre et fluide. En tout cas, Florazé, rassurez-vous, c'est un bon pactole, un joli visage que le Cameroun compte montrer aux yeux de l'Afrique et même du monde en 2019, lors de la CAN 2019, pour rester sur ce registre-là. C'est cette image de Douala qui sera ainsi présentée à tous ceux qui viendront visiter le Cameroun, vivre cette messe du football du continent africain. Également sur ce plateau ce matin, Loro Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je me pose une question ce matin. La brigade de gendarmerie du quartier Ndokbong à Douala serait-elle devenue un détachement de la Gestapo? La question est posée, c'est vrai, nos confrères de la nouvelle expression. Bon, le mot Gestapo, eh bien, ça renvoie quand même. Je m'interroge. Oui, parce que nos confrères, si un sujet fait la une de nos confrères de la nouvelle expression, ça mérite bien qu'on s'y attarde un petit peu. Un compatriote qui a été interpellé par les éléments de cette brigade a saisi la sécurité militaire de Douala pour porter plainte contre certains de ses agents. Mmh. Ils l'ont bastonné. Il a été subi à des sévices inhumains. Donc, la sécurité militaire, je pense, va s'y pencher de près pour voir. Mmh. Si c'est un détachement de la Gestapo. Non, vraiment, on va être beaucoup plus mesuré que ça et ne pas renvoyer à la Gestapo. Non, moi, mon problème, c'est que le porte-parole du gouvernement, quand le DAC va sortir, Amnesty International va dire qu'il y a un complot international contre le Cameroun. Hmm. C'est le lieu pour moi d'interpeller les gendarmes et ces policiers en disant mettez la pédale douce. Même si vous interpellez quelqu'un, bastonnade l'a dit, de 22h à 3h du matin, on vous tape le plan de pied en vous mettant dans les balançoires. Bon, voilà. Voilà, tout à fait. Et merci beaucoup, Boro Bengane, qu'on va retrouver tout au long de l'émission dans ses différents commentaires avisés et surtout très sages. On va démarrer cette émission avec justement la première articulation et le premier sujet qu'on met sur la table avec Tendance La Voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais saluer Madame Foyan, point. Je ne parle pas de Madame Foyan, Martin de Bafoussa et de Tchang. Non.
Je parle de Madame Foyang, point, 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 point. Ton mari se plaint à moi. Il y a beaucoup de Foyang. Il dit que ton comportement le frustre. Que depuis un bon bout de temps, tu achètes. Chaque fois, quand tu as un problème, que c'est des temps, que ta part de folie atteigne le sommet. Voilà le vrai mot qu'il m'a dit. Que, mais qu'est-ce que mon épouse me veut? Qu'est-ce que la femme là? C'est quelle frustration ça qui ne se sent plus homme bonbon. Il dit que chaque fois, sa femme est en train de prendre l'exemple sur ses copines, sur ses voisines, sur ses soeurs. Qu'elle veut demander quelque chose, elle dit à son mari que hein, tu es là, tu ne fais rien pour moi. Quand tu regardes Madame Awo, Awo qui a bilongé, tu sens que c'est une femme qui vit chez un homme. Moi, je suis là, tu ne m'entretiens même pas. Et tes enfants mangent à peine. Quand tu vois Mamado, elle est à la rue, cotise les trois noms. Tu sens que c'est une bonne femme au foyer. Hein? Mais voici, tu me négliges. Mes enfants ne mangent même pas d'eux. Hein? Mais voici. Donc, ce qui énerve son mari, c'est que chaque fois, il est en train de prendre l'exemple sur des gens pour parler à son mari. Que regarde, tu as d'abord rationné comme Dieu. Hein? Alors que là-bas, chez ma Sarah, son mari rationne que 10 000 francs par jour. Regarde comment tu me fais. Hein? Quand tu me vois, j'ai tout perdu le poids. Hein? Quand tu vois Madame Ninchou, on sent que c'est une femme qui avait un homme. Elle est bien dans son foyer. Quand tu vois les enfants de tel, tu ne sais pas, tu vois, ne vois pas comment le monsieur prend le temps de s'occuper de ses enfants. Et tout, qu'il est fatigué du comportement de sa femme. Tu es en train de prendre l'exemple sur les autres femmes. Et ses copines, et ses nièces, et ses soeurs, et ses voisines, et ses voisins. Donc il est fatigué par le comportement de son épouse. Est-ce qu'on va prendre l'exemple sur des copines? Qu'on a envie de parler à son mari, point d'interrogation. Donc il dit que monsieur Foyan se plaint que si son épouse a lui dit, elle n'a qu'à lui dire sans prendre l'exemple sur les gens. Que, hein, comme tu vois Flora dire à maman, la mère que son gars l'arrange, la mère voici ici là, tu es avec moi comme ça, tu ne fais rien, tu ne peux rien faire pour moi. Même quand tu es assis, tu fais ci. C'est ça qui ronge son mari. Et toutes les femmes vont nous écrire. Donc, l'aider messagement, moralement et physiquement. J'en ai terminé. Voilà l'histoire de ce matin qui nous permet une fois encore de toucher du doigt ces cas de société qui dirigent notre vivre ensemble, mais également la possibilité pour nous d'évoquer ici la possibilité pour chacun de mener sa vie comme il entend. On dit souvent, il faut toujours accrocher son sac là où sa main peut le décrocher pour dire que dans la vie, on vit chacun dans sa manière et sa capacité à tenir les décisions qu'on prend. Et que le plus souvent, lorsqu'on s'accroche au regard d'autrui, d'ailleurs, je prends là aujourd'hui également le sourire pour vous dire combien je suis heureux de citer Jean-Paul Sartre pour la deuxième fois cette semaine en évoquant le regard d'autrui, qui est un regard qui souvent peut nous tromper parce que on croit toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin et pourtant on pourrait bien se tromper. Les apparences, dit-on souvent, sont trompeuses. Alors Florazé, quel est votre commentaire sur ce sujet? Je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous, l'idée qui veut que chacun vive selon ses moyens, à la hauteur de ses moyens. C'est chacun qui crée son paradis, c'est chacun qui crée son idylle. Mais dans le cas bien précis ce matin, je crois que cette femme est en manque d'amour. Vous savez, quand une femme ne donne excessivement en couple et ne reçoit pas, à un moment donné, s'attend à ce type de comportement. Vous savez, dans le couple, la femme, sa première force, vous savez, c'est sa parole, c'est sa langue, c'est sa bouche. Donc, elle estime que en rappelant monsieur sur un certain nombre de choses, sur je veux dire un certain environnement dans lequel ils vivent, il va peut-être se poser des grosses questions, des questions primordiales de leur couple. Je crois que c'est ça le problème. Bon, maintenant, dire à quitte à dire qu'elle le fait parce qu'elle voudrait vivre la vie des autres, non. Il faut toujours attirer l'attention d'un homme, surtout qui n'est pas, quitte à ne pas voir, à ne pas écouter, à même pas céder le dialogue dans le couple. Et vous allez constater qu'il y a des femmes, justement, c'est-à-dire qu'elle prend un exemple sur vos prochains, c'est-à-dire que tu marches avec Cédric, est-ce que tu ne vois pas comment Cédric est ici, etc. C'est pour attirer l'attention. Et nous, justement, on le fait souvent même avec les enfants. Ça veut dire que pour motiver l'enfant à avoir de très bonnes notes, avoir un comportement irréprochable à la maison, on a souvent tendance à prendre des exemples. Tu n'as pas vu le fils de mon père qui est sorti premier de la salle de classe. Alors, si tu veux être comme lui, il faut. Donc, je ne crois pas qu'il faut faire le mal
dans ce genre de comportement, Eric Fokoussi. Quand une femme est en manque d'amour, oui. Je dis que vous avez même les moyens, ça va toujours, ça va se refléter, ça va se voir, et la femme va l'avoir marre, elle va s'exprimer. Mais sauf que là, je pense, évidemment, c'est une question d'argent. Non, c'est une question. Les exemples qu'elle cite, lorsqu'elle parle de trois noms à la réunion, on sent très bien que c'est une question d'argent. Non, pas, non, que s'habille bien la personne est fashion, c'est bien une question d'argent. Non, parce que je dis que au-delà de l'argent, justement, au-delà de l'argent, on a souvent évoqué ce type de sujet ici. C'est que la c'est une femme frustrée, justement, Eric Fokoussi. C'est-à-dire que quand vous avez un homme qui vous aime. Oui, mais pour rester, non, attention, n'ouvrez pas le coup d'une femme frustrée, vous ne reprenez pas le coup d'un consommateur. Oui, mais Eric Fokoussi, parce que l'homme dit dans l'histoire qu'il a dit ça, il a tué le thème. Ah. Il a dit tendance, ma femme, le fils, et tout. Non, mais non, votre femme veut justement que vous arrêtiez à un moment donné. Observez votre femme. Qu'est-ce qui ne va pas en elle? Qu'est-ce qui manque? Ce n'est pas toujours le moyen financier, c'est ça qu'elle dit comme ça. Mais moi, j'ouvre un peu les vannes pour dire qu'on a besoin d'amour. Et l'amour aussi, ça se manifeste par des gestes au quotidien. Ne croyez pas que c'est le fait de mettre 3000 francs au chevet du lit de la femme qui arrange tout dans le couple. Non, il y a des attentions au-delà de l'argent. Moi, en fait, c'est mon point de vue ce matin et je le soutiens. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une manière beaucoup plus commode de faire en sorte que son époux, son mari, puisse accorder une certaine attention financière à nos problèmes, que de passer par ce chemin un peu alambiqué, de faire des rapprochements qui n'ont pas de sens. La première, et je pense la meilleure manière que nous conseillons à nos filles, à nos femmes, c'est deux proverbes africains que je vais essayer de traduire. Le premier proverbe, on vous dit, les doigts, la main, n'ont ni la même longueur, ni la même épaisseur, ni la même. Donc, ne sont pas égaux. Mais c'est les doigts d'une même main, d'une même personne. Deuxième proverbe, on dit, la souris n'est pas l'esclave. Programme, à tout de suite, madame, messieurs. Yo. Retour donc sur ce plateau, madame, messieurs, pour la deuxième partie de votre émission 10-12, le Zénith, l'émission reconnue d'utilité publique, émission également qui traite des sujets de société, évidemment de l'actualité, qu'elle soit politique, économique ou culturelle. D'ailleurs, on est donc tout à fait en pole position sur tout. Les sujets qui dominent cette nation camerounaise. D'ailleurs, on en est tout à fait fiers. Et pour démarrer cette deuxième partie, on va prendre avec vous, Florazé, quelques messages de personnes qui nous font appel à nous. Tout à fait, Eric Fokoussi. On a Abachia Bana qui réagit, qui pense que la profession de huissier de justice souffre de beaucoup de maux. D'abord, l'absence de statut longtemps attendu, le statut TAD. Il y a également le problème non-paiement des émoluments. Il y a leur actif de cumul impayé à la caisse autonome d'amortissement qui remonte à 2003. Donc, le problème est évoqué à Bafia par M. Bana. Voilà. Autre SMS pour ce matin. On ne peut pas parler par rapport au problème des huissiers. Vous devez comprendre que l'huissier, les huissiers sont des emplois libéraux et les caisses publiques sont vides. Voilà pourquoi on se retrouve dans ce type de problème avec autant de charges. Il y a donc contradiction. On ne peut pas employer tout le monde. Libéral et les caisses sont vides. Alors, laissez libéraliser alors, comme disait le premier. Sortez un statut où vous les mettez comme les avocats, vous les considérez comme des avocats. Non, ils ont leur. C'est pourquoi c'est bien précisé. Les huissiers ont ce qu'on appelle les émoluments, les avocats ont ce qu'on appelle les honoraires. Ça, c'est bien spécifié au final. Oui, mais sauf que l'huissier de justice, quand il peut être saisi par le tribunal n'importe quel pour aller faire des recouvrements. Tout à fait. C'est pour ça. Maintenant, pourquoi on ne sort donc pas le statut, comme disait ce monsieur de Bafrement? Tout à fait. C'est pour ça. Maintenant, pourquoi on ne sort donc pas le statut, comme disait ce monsieur de Bafia? C'est là le problème. Est-ce que le chef de l'État conduit juriste, encadré par des juristes, il lui manque des preuves pendant 35 ans pour sortir un vrai statut de huissier de justice? Quand même. Autre SMS pour l'âge. L'âge idéal de la femme pour se marier est compris entre 18 et 25 ans. Or, pour l'homme, c'est sans limite. L'homme est comme un fromage. C'est quand il est vieux que c'est bon. La femme est comme une patate douce.
Voilà. Pas Dubaï, tendance pas à dire ça tout à l'heure. C'est pas l'histoire. Voilà. Voilà. Par rapport à l'histoire du jour, c'est vrai, un philosophe a dit que le regard d'autrui nous parle et nous dit des choses. Voilà, par rapport à l'histoire du jour. Autre SMS, cette femme ne mérite pas le mariage. Merci. Une femme qui aime son mari et son foyer. Moi-même, je suis une femme, mais je ne peux pas le faire. Merci beaucoup, madame. Chalamel, je veux quand même faire une précision ce matin avant qu'on continue. c'est pas un match. Nous sommes pas un match où on apprécie les messages ou pas d'où on distribue les bons et les mauvais points. Laissons couler les messages. Tendance à dire, l'objectif c'est de consolider les couples. Oui. Voilà, donc laisse à la main l'apprécier. Quand on va dans la consolidation des couples, l'harmonie des couples, c'est normal. Mais on est dans l'harmonie des couples. Une petite va te dire que le mariage n'est pas une fin en soi, parce que vous n'avez pas trouvé le bon homme. Vous n'avez pas trouvé le bon. Le bon existe. Oui. Non, en fait, la femme va te dire que je dis, me marie que c'est quoi? Parce que vous n'avez pas trouvé l'homme qui va dire que chérie était pousse. Vous voulez décourager et déstabiliser les autres. Voilà. Chaque femme est mère dans un foyer bonbon. Absolument. Elle reste dehors comme ça que son mari appelle pour dire que tu es où? Tu ne rentres pas. Il est que l'enfant va manger quoi? Moi-même, je vais dehors comme ça que son mari appelle pour dire que tu es où? Tu ne rentres pas. Il est que l'enfant va manger quoi? Moi-même, je vais manger quoi? Ça manque souvent aux femmes. Si mon mari peut mourir, oui. Moi, c'est mon mari peut mourir. Donc les gens vont se marier. Je reste sans me marier. C'est pas une femme de foyer, moi. Sa place. Là, on se lance. Comment? Ouais, on se... moi, la femme de. Non, on est dans le sujet. Non, parce que cette femme-là, elle se comparait au voisin. Et elle nous regarde. Non, on est dans le foyer. Et on lui dit, fais attention, sinon tu seras hors du foyer. Il y a les femmes dehors, mais il n'y a pas les femmes de foyer. Si tu n'es pas femme au foyer, tu me dis, moi, je cherche une femme à ton nom. Pendant la vérité, moi, j'ai les copines qui veulent le mariage. La vérité, c'est que monsieur doit supporter. J'ai parce que quand ça arrive à la femme, on demande à la femme de supporter parce qu'il y a les hauts et les bas dans le couple. Que monsieur supporte également que la femme. On demande à la femme de se corriger. Aussi. On demande les grands à la femme qui sont de se corriger. Les grands hommes qui sont en prison, Eric, je te coupe quelques secondes, mon père. Certains grands hommes qui sont en prison, c'est à cause de leurs femmes qui sont en gata. Si vous voulez, on mène les enquêtes. Les détourneurs de fonds publics, ce sont vos femmes. C'est un sujet à explorer, tendance. Oui, ce sont vos femmes qui vous envoient dans les trucs. Je pense qu'il y a eu une enquête dans ce sens il y a quelques années déjà, qui évidemment faisait état de ce qu'il y avait des femmes un peu trop gourmandes en termes de goût, en termes de vacances qu'elles demandent. Et d'ailleurs, quand j'observe... Des femmes ou alors des copines de femmes, des femmes aussi. Une femme accouche un garçon, elle dit que j'ai accouché ton héritier. Je vais moi partir au Canada fêter ça. Pourquoi? Une bonne partie de ces femmes ont pris la poudre d'escampette. Une fois qu'ils ont été... Eric Fopoussi, dans ces cas-là, il y a beaucoup de femmes qui ont retrouvé leur véritable liberté. Depuis qu'on a incarcéré leur mari, il y a beaucoup qui ont retrouvé leur liberté parce qu'il y a d'autres qui vivaient l'enfer. Donc, à ce niveau, je crois qu'il y a une qui est en train de rédiger un livre qui paraîtra bientôt, Mon Enfer. Donc, à ce niveau, je crois qu'il y a une qui est en train de rédiger un livre qui paraîtra bientôt, Mon Enfer. C'est le titre que je vous donne, Mon Enfer. Alors, donc, pour les SMS, dans un couple, il y a toujours les hauts et les bas. Cette femme doit comprendre, n'a pas encore compris le sens de la vie. Donc, il faut. La vie n'est pas facile. Voilà. Continue. Allez-y, Florager. La finance vient en seconde position. Je ne sais pas pourquoi, en seconde position. Car l'affection compte que tout. Rien que le manque d'amour peut pousser justement la femme à prendre tous ces exemples. En conclusion, c'est chacun qui crée son paradis et les saints doigts ne sont pas pareils. Absolument. Voilà. Les saints doigts ne sont pas égaux. Un dernier message, Florazé. Voilà. La torture au Cameroun est une réalité. Sous d'autres cieux, le procureur se saisirait de ce dossier. Dans ce pays, il n'y a jamais eu de procès contre la torture sur un agent
le maintien de l'ordre. Et les procureurs font le tour de toutes ces différentes cellules le vendredi. D'accord. Très bien. J'aime beaucoup ce moment de l'émission où on lit les messages et que chacun d'entre nous reste attentif pour voir si le message qui sera lu par Flora Zelvien par soit apporter l'assentiment, soit venir contredire ce qu'on a pensé. Donc j'aime beaucoup cet instant de l'émission où les messages sont lus et qu'on attend justement le verdict de nos spectateurs. La suite de l'émission avec la revue des réseaux sociaux. Encore vous, Florazé. Oui. Alors, merci Rifo Poussi. Deux informations pour cette journée. Nous parlons donc de ces cartons pour passeport qui se font de plus en plus rares. Ça se bouscule à l'immigration. Et on parle donc de... On justifie cette haine. Ça se bouscule à l'immigration. Et on parle donc de... On justifie cette indisponibilité due à l'insuffisance des fonds. Alors, selon certains témoignages, c'est depuis le mois de novembre que les cartons pour établir les passeports sont indisponibles. Les services de l'immigration sont de plus en plus bondés de monde depuis quelques temps. Cette situation est très désagréable pour certains. Depuis le mois de novembre, il est donc de plus en plus, on rappelle, difficile d'obtenir son passeport dans les délais. Et puis, de nombreux Camerounais ayant même soumis leurs demandes sont toujours, à l'heure où on parle, dans l'attente. On s'interroge par rapport à cette situation. Où vont donc les fonds qui sont donc recueillis pour ce sésame si cela n'est pas donc réinvesti au moins pour l'achat du matériel nécessaire pour la fabrication des passeports? On s'interroge. Et aussi, on retient que pour une meilleure utilisation des ressources, ce passeport pourrait ou alors devrait avoir une validité de 10 ans aussi. On s'interroge sur la toile. Et aussi, outre les défauts de carton, plusieurs passeports sont rejetés du fait de l'absence de certains documents, quelques erreurs aussi liées à des questions liées à la double nationalité. Au Cameroun, on le sait, pour obtenir un passeport camerounais, il faut prévoir une photocopie certifiée de l'acte de naissance, photocopie certifiée de la carte nationale d'identité, fiche de demande timbrée des photos 4x4 et un timbre de 75 000 francs CFA pour les frais de passeport proprement dit. Il faut pousser, avez-vous déjà votre passeport? Florazé, vous posez une question comme la colle. En tout cas, je rappelle que la validité du passeport, c'est 5 ans, hein, pas 10 ans. Donc, oui, non, Léa s'interroge. On souhaite que ça soit établi. Oui. 10 ans, hein, d'accord, ok. Mon passeport, il va se périmer l'an prochain. Donc, j'ai encore le temps pour qu'on puisse renouveler le stock des cartons. Mais cela montre quand même qu'on est dans un pays où gouverner semble un véritable problème, parce qu'on sait gouverner, c'est prévoir. Et lorsqu'on prévoit, on ne peut pas se retrouver avec ce type de problème qu'on nomme et qu'on caractérise ici comme étant une rupture de stock. On l'a vu en santé avec la rupture, par exemple, des stocks de vaccins contre la tuberculose. On le voit un peu partout dans les secteurs du service public camerounais. Donc, des ruptures qui arrivent comme ça et qui surprennent tout le monde. Ça montre quand même une certaine faille, une défaillance dans la mission régalienne qui est celle de l'État d'assurer. Le service public. Bon, Bengal, je commence par vous, votre commentaire. Non, ça montre la défaillance, comme vous avez dit, mais ça ne surprend pas. Ça surprend nous, les usagers. Mais eux, là-bas, ils savent bien le nombre de cartons qu'ils ont commandés. Ils connaissent la fréquence des demandes, ils se connaissent. Bien, ils ont toutes les statistiques, là. Dernièrement, il a manqué de matériel dans des commissariats. Les gens viennent établir les cartes d'identité. Ils n'ont pas de matériel. On leur dit, demande de venir s'enregistrer à 3h du matin. D'autres, et on vous dit, à Douala, par exemple, il y avait peut-être à un moment donné 3 commissariats seulement qui pouvaient établir les cartes d'identité. Et il a fallu qu'on... Ils savent bien ce qui se passe. Le problème véritable, c'est qu'on a confié tout ça aux étrangers. Aux étrangers, on nous dit que les passeports, les cartons de passeport sont imprimés ailleurs qu'au Cameroun. Donc, c'est à l'étranger. Notre identité est confiée aux étrangers. Même notre état civil qu'on laisse à l'emporte-pièce, on n'oblige pas les Camerounais à se faire établir
l'acte de naissance, de la naissance, parce qu'il n'y a rien. L'acte de décès, quand on décède, pourtant beaucoup de corps vont à la morgue. Pourquoi on n'oblige pas les actes de décès immédiatement, c'est-à-dire qui ont, d'entreprise. Qui a donc mobilisé justement des jeunes, comme on l'a, le jeune qui m'appelle a dit, les cas, même si il n'est pas de nationalité, je vais dire, même s'il a la nationalité française, il a dit, il est africain et porter ce type de projet pour lui, il pense que ça, c'est un coup de pouce plutôt à encourager pour l'Afrique. Et puis on sait tout ce qui est Georges Weah également. Il a dit, déjà, il était président avec il a été ballon d'or avec un seul stade dans son pays, Olivier, avec ses amis. Alors, est-ce que tu sais que ta moi avec qui tu manges tous les jours, elle si, elle ça, fait ça, fait ci, fait ça. Je vais te dire, mais parce qu'il n'est jamais là. Je vais te prendre tous les exemples possibles pour attirer cette attention. Mais qu'est-ce que vous en savez sur ce que je dis que ta justement, puisque peut-être je ne connais pas ta mot. Mais je vais dire n'importe quoi pour attirer l'attention sur le film. Et je vais dire non, pas le film. Mais encore que. Chacun qui se fait jouer ces petits films, quand on est en train de construire une ville, on ne sait jamais de quoi faire des films. Donc on se fait des films au quotidien. Et qui peut, pourquoi pas se réaliser. Vous faites ça, sincèrement. Vous faites ça. C'est une blessure, c'est une atteinte à mon ego. Franchement, prenez soin de vos femmes. Parlez avec elles au quotidien, messieurs, et vous n'aurez plus ce genre de comparaison. Apprenez à écouter vos femmes. D'accord. Bon. En une seconde, Tendance l'a dit, je l'ai dit en une autre manière tout à l'heure. Si les temps, les autres qui sont à côté sont dans les moukouagnes, vous ne savez pas. Voilà. Le dehors est mauvais là. Vivez votre vie avec le peu de moyens que vous avez. Vous pouvez, vous allez dire, je sais ce que je veux, d'accord, mais vous ne savez pas ce que vous ne devez pas faire. Dans la vie, c'est qu'est-ce que je ne dois pas faire, comment je ne dois pas commettre de fautes. Voilà, ce que vous dites est tellement sage. Mais oui, on ne sait je pas. Suis d'accord avec moi, mon je suis d'accord avec Mbombo. Ne prenez pas mes propos pour une personne, c'est pas ce qu'elle dit. Je dis, je suis d'accord avec Mbombo. Mais que les hommes arrêtent un peu. Prenez soin de vos femmes et apprenez à les écouter au quotidien. C'est pour ça que celui qui s'est plein, c'est Tendance. Mais souvent, cette femme le fort, c'est ce qu'on a la version de l'homme, on appelle la version de la femme. Cette femme, je veux être connue dans ce genre d'histoire. Je veux la version de la femme. Aux hommes d'abord, je suis d'accord avec cette notion. C'est une valeur. Mais aux hommes d'abord, on peut utiliser toutes ces femmes de l'homme pour attirer leur attention. Cette femme n'est pas une nauséeuse. Elle est poisseuse. Voilà, elle attire. Elle attire, parce que j'imagine un peu le moment auquel elle veut parler à son mari. Quand il a à te demander, cela soulève le sujet. La pluie tombe. Quand elle veut regarder le journal, elle démarre le débat. Lorsqu'il veut dormir, elle a ses oreilles. Non, c'est compliqué. À quel moment vous parlez avec votre femme? C'est compliqué. À quel moment vous parlez? La discussion. Au moment du repas, il faut parler. Vous refusez le dialogue. La discussion. Sur les lits, vous refusez le dialogue. Devant la télévision, c'est pas le dialogue. Le dialogue se définit comme. Le dialogue devait être introduit comme le centre du monde. C'est vous qui êtes le dialogue. Alors, chérie, comment tu as passé ta journée? Tu as passé une bonne journée? As-tu 5 minutes? Je sens que tu es concentré derrière le journal. Bon, après, fais-moi signe. Voilà comment c'est vite au dialogue. C'est le parti, moi, tu es à côté de 4 minutes. Quand tu as côté de. Laissez-nous respirer un moment. Nous avons trop de stress, nous avons trop de frustration dehors lorsqu'on a permettez-nous de nous reposer. Mais, sauf que Michel la maison doit être au lieu de repos et on a un bon cœur. On se vient de le mais sauf que quand elle commence par ces modalités de politesse, d'accord, et quand elle commence avec le vrai problème, vous trouvez qu'elle exagère un peu, qu'elle bavarde trop. Ok, quand elle touche le problème du doigt, Florazé, on a compris les messages maintenant rapidement. Hein, quelques messages pour être vraiment rapide tout de suite, vraiment rapide, On est pris par le temps. Bon. Je n'ai pas quand même des SMS assez grossiers. Oui. Bonjour à vous sur le plateau. Ça, c'est bousculé. Je pense que parfois, il faut souvent bousculer les hommes. C'est Diane Aloubaba qui réagit.
autre réaction. Les hommes sont très durs avec des termes. Est-ce qu'on va... C'est vrai aussi, il faut. Parce qu'un philosophe, bon, SMS n'est pas terminé. Voilà, il faut juste dire que cette femme n'aime pas son mari. C'est Alvarez Cadet qui pense que la femme n'aime pas son mari. Autre SMS pour ce matin. Elle au moins a été bénie par Dieu pour être dans un foyer. Se plaindre est, pour de l'argent est un tort. Elle ne mérite, elle n'a pas sa place dans un foyer. Merci beaucoup. Je vous sens embarrassé. Hein? Non, je veux. Charamel, ça c'est une pique, j'en sais pas ça. Non, je respecte. On ne peut pas. Je respecte la vie de tes spectateurs. Parce que Florazé également a raison de penser qu'elle pense, hein, sois-en sûr. Charamel, le débat. Et comme je l'ai dit. C'est Edouard qui pense. Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Cette femme n'a pas encore compris le sens de la vie. Si elle veut la vie facile, elle n'a qu'à aller chercher un emploi. Voilà, c'est le diable en personne. Combien de femmes cherchent le mariage de nos jours? C'est pas faux non plus. Le mariage est dû. Pour qu'un homme t'amène devant le maire, il réfléchit. Et pour t'épouser, il faut d'abord faire un casting. Après, tu te rends compte que non, celle-ci que j'ai épousée, j'ai fait le rêve de casting. Mais tendance, oui, quand tu vois dans un homme célibataire, il ressemble à quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours penser que c'est l'homme qui a la femme qui a la chance d'aller en mariage. La femme vite fera, même à 60 ans, l'homme se marie. Donc la femme, même elle ne se marie pas. Mais la femme, c'est tu te fanes. On te dit encore que c'était toi, tu dis non. Moi, j'ai 28 ans, c'est plus quand j'avais 20 ans. Je vais te dire, tendance. Là, il y a des dames de 60 ans qui me regardent apparemment, qui ne font pas leur âge. Là, je pèse sur moi. D'accord. Mais c'est. Bon, enfin, c'est aussi physiologique. Non, l'âge, c'est un débat qui peut se faire. Non, l'âge, c'est un débat qui peut se faire. Mariage. Mais quand vous on dites, il y a de nombreux... Non, il y a de jeunes filles qui nous regardent et il n'est pas de bon temps pas les enfants, qu'on dise. Il y a de bon temps qu'on dise et qu'on dise la vérité aux gens parce que les jeunes filles nous regardent aujourd'hui et doivent également avoir à l'esprit que leur vie se joue entre maintenant et 45 ans à la ménopause. Donc, arrêtez de nous faire les leçons qui, vraiment, pour le on coup, la ne sont pas très... Non, je suis... Les deux ont la chance, Ne dites pas que c'est la femme qui a de la chance d'aller en mariage. Merci. Non. La suite de l'émission, après l'histoire du jour, place à la colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la charge du CIE au Cameroun. Quelle est la finalité réservée à nos chers amis, les huissiers du Cameroun, comme je les appelle, ou les huissiers de la rue? Où trouver un huissier? Quand le trouver? Comment l'utiliser? Autant de questions que je me pose. Y a-t-il de professions bénies ou de professions maudites dans ce pays? Je m'interroge, oui, je m'interroge sur l'attente décennale de charge par bon nombre d'huissiers frôlant déjà l'âge de la retraite dans ce pays. Savez-vous que la dernière organisation de l'examen de fin de stage d'huissier de justice date de 18 ans dans ce pays? Oui, ça fait beaucoup d'années. Ils sont là, Maître X, Maître Y, Maître Emos, Maître Bounia, on les appelle partout, Maître Wapi, mais ont-ils seulement une charge? Hélas, disons-le, la dernière session a eu lieu le 21, 22, 23 novembre de l'année 2000. Comment comprendre le fait que l'acte présidentiel donnant des charges à ces mendiants de la justice ne soit jamais arrivé depuis bientôt 20 ans. Oui, je m'interroge. Pourquoi? Pourquoi devons-nous souffrir? Pourquoi doivent-ils souffrir? Tout entre les mains d'une et une seule personne. Savez-vous que près de 152 huissiers ont déjà traversé l'âge de 60 ans pour autant bénéficier d'une charge? Oui, sans pour autant bénéficier d'une charge. Ils sont là. Ils attendent toujours qu'on puisse se souvenir qu'ils existent. Savez-vous qu'à ce jour, on compte
environ 187 ici en attente de charge, qui attendent comme l'enfant de cirage le fameux décret présidentiel. On attend. On attend le décret. Le décret ne vient pas. La suite, vous la connaissez. Savez-vous que la douleur et la durée de ce combat, certains sont morts. Certains ont perdu leur titulaire. C'est-à-dire les huissiers titulaires pour ceux qui sont employés dans d'autres charges et dont ont du mal à exercer, à gagner leur vie. N'ayons pas peur des mots ce jour. Plus d'une soixantaine d'huissiers stagiaires et huissiers en attente de charge sont décédés faute de soins à cause d'un manque de moyens financiers. Qui pourrait se souvenir d'eux? Le conseiller spécial des affaires juridiques auprès d'une Koukouma. Le ministre de la Justice auprès d'une Koukouma. Ou alors qui? Trop de points d'interrogation. Savez-vous que bon nombre de ces huissiers de justice ont prêté serment depuis 1994 et n'attendent qu'un seul décret qui leur donnera la possibilité d'exercer pleinement. Monsieur le chef de l'État, pourquoi durcissez-vous? Libérez ces pauvres pères de famille qui sont obligés d'utiliser des voies de contournement obscures pour pouvoir vivre. Il est facile d'avoir un huissier avec 5000 francs, 2000 francs, 2500 parce qu'il veut rationner chez lui. Est-ce ainsi qu'on devrait se retrouver à vivre? Point d'interrogation. Savez-vous que ceux n'ayant pas de charges sont obligés de travailler pour le compte de leurs confrères titulaires de charges sans toutefois oublier de préciser qu'ils ne pourront pas signer un procès verbal de constat par exemple? Que dire alors des erreurs matérielles constatées dans des décrets présidentiels? Un huissier, des charges. Gaoundéré, Yaoundé, un huissier, il a la charge, mais le nom est mal écrit. Vraiment. Il faut pousser. Alors, ce matin, donc, on aborde un sujet importantissime, puisque d'ailleurs, j'ai de nombreux camarades de promotion à l'université qui, aujourd'hui, sont également en attente de charge. On parle des 18 ans depuis que tout cela a été du récent, hein, que beaucoup attendent qu'on leur accorde une charge, donc. On va surtout, aujourd'hui, le dire davantage parce que nos villes sont pourtant en déficit, hein, du ciel justice. Dans une ville comme Douala, par exemple, où grâce au régime spécial est prévu 75 charges, on a entre 20 et 24 charges tellement, seulement dans cette ville de Douala, comme d'ailleurs à Yaoundé, ce qui pose un réel problème. Pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi autant de lenteur dans cette dévolution des charges pour Bengane? Précisément parce que la réforme du système judiciaire camerounais est plombée. Vous vous dites depuis une vingtaine d'années, non, on venait de nommer les huissiers de justice récemment. Mmh. Non, il y a d'autres qui attendent depuis au moins 18 ans. Voilà, non, je suis d'accord. J'ai dit donc c'est plombé. Oui. Et parce qu'on ne veut pas procéder à la réforme du système judiciaire camerounais. Mmh. Vous avez vu ce qu'on a nommé dernièrement, je pense en 2016, ça a provoqué la crise anglophone. Mmh. On a nommé les huissiers de justice francophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Or, dans le common law, dans le régime du common law interdit, l'avocat qui est installé dans ces deux régions fait office d'huissier et tout ce que vous voulez. Vous voyez donc que le régime fait une navigation à vue que nous dénonçons souvent, même dans la gestion de l'économie, des politiques et tout. Donc même dans j'allais dire la mise en place des institutions prévues dans la Constitution, c'est toujours la navigation à vue. C'est-à-dire quoi? Le Conseil supérieur de la magistrature s'occupe du magistrat. Il a bien parlé du secrétaire permanent de ce conseil qui, davantage, est le conseiller aux affaires juridiques du président de la République. Mais il est au conseil constitutionnel. Hein, voilà. Mais il y a un autre, là, le professeur, lui aussi, il est conseiller aux affaires juridiques là-bas. Oui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je veux dire, lorsque nous disons qu'on ne peut pas dire à aucun moment ne donne de propositions, parce qu'apparemment, ils peuvent nous dire on a fait des propositions tous les mois et le chef de l'État ne fait pas. Mais dans la pratique, nous dénonçons ce qui se passe. Lors, le recouvrement des créances seulement, vous voyez comment ça se passe. Parce que le huissier de justice qui a ce rôle de recouvrement de justice,
Il y a des citoyens qui gagnent des procès contre l'État. Il y a des dettes envers nature. Que fait Lucie? Il n'y en a pas assez. Ouais, ça devient... On les réduit. Maintenant, le chargeur... Bombo m'a diffamé. Tu, on va lui servir une citation directe. Oui. Voilà, voilà à quoi on a réduit. C'est-à-dire que le renouveau a fait en sorte que tout le monde se débrouille. Les milieux des affaires, les opérateurs économiques se débrouillent, les avocats se débrouillent, les magistrats se débrouillent, les notaires se débrouillent, les huissiers se débrouillent. Tout le monde est dans le règne de la débrouillardise. Donc, vous ne pouvez pas, en vous inscrivant en première année de faculté de droit, vous inspirer d'un huissier parce que vous savez même pas ce qu'il fait. Vous vous inscrivez là, vous allez dire, mais apparemment, quand on fait droit privé, on peut faire... Vous ne pouvez pas savoir, moi je me dis je vais devenir médecin, un autre veut dire je vais devenir huissier de justice parce qu'il a vu un huissier de justice travailler de telle manière ou de telle autre. Devenir, voilà, dans c'est pour ça que je parle de la navigation à vue. Donc les métiers souvent nobles, pourtant nobles, bien structurés ailleurs, mais ici chez nous c'est la débrouillardise. La débrouillardise, il est là, il prête serment, mais il fait 20 ans. 20 ans, c'est comme ça. Il est clair que 20 ans quelque part. Quand il a, j'allais dire, la chance que Lucie ait installé la présidence, les 20 ans, le 2 ou 3 jours, on lui envoie déposer une citation directe, servir une citation directe quelque part, ou peut-être prendre une décision de justice, on lui donne 5 000. Et tout, c'est tout. Alors, mais quand, on voit le rôle prépondérant que l'huissier de justice doit jouer dans la mécanique juridique et judiciaire du pays au quotidien, lorsqu'on voit comment il intervient dans le cadre des procédures, par exemple, de titres fonciers au Cameroun, lorsqu'on voit également son rôle prépondérant dans les contrats qu'on peut avoir au cours de nos différents échanges avec sur le plan commercial, lorsqu'on voit comment ces huissiers-là doivent faire descendre sur le terrain pour soit faire un constat, puisqu'on parle souvent de constat d'huissier, et lorsqu'on voit tout ce qu'ils ont comme rôle, comme cheville ouvrière de nos habitudes au quotidien, on ne peut que s'offusquer de ce qu'ils soient aujourd'hui en sous-effectif, d'ailleurs, pour ceux qui ont la charge, et surtout mal considérés pour ceux qui sont en attente de charge, Charles Lamel. Mais voilà l'affaire, voilà, même commencer par regarder ce qui se passe devant la communauté urbaine. Quand cette affaire avait commencé, il fallait qu'il y ait des gens qui vont constater, qui vont de leurs yeux faire office de caméra pour la justice. Quelle est la respectabilité qu'on a des huissiers de justice au Cameroun? Vous avez déjà vu comment on les chasse dans certaines zones? Vous avez déjà, je ne parle pas des individus, hein, je parle même de certains responsables qui chassent, qui traitent ces huissiers de justice comme des vauriens, des malpropres. Oui, tout à fait. Je vous le dis. Oui. J'ai moi aussi un témoin de ce type de comportement, d'un huissier qui arrive pour faire un constat, et le monsieur dit, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Pas. Alors, aujourd'hui, oui, cette profession est en crise. Faites un tour dans les zones rurales. Vous, peut-être même ici-là, ils sont en surpopulation. Il y a certaines zones où il n'y en a même pas. Il faut aller dans une autre zone, récupérer quelqu'un d'autre qui va venir faire, et il va venir le faire tarabut. Ah oui, c'est très compliqué. Regardez la ville de Douala, 187 qui se baladent à longueur de journée, suppliant les problèmes par-ci. Arrivant par là, je suis maître tel. Présentez-vous, il commence à gratter la tête. Pourtant, il a prêté ses mains. Le Cameroun est grand. L'Est en a combien? Moi. L'Ouest en a combien? Moi. Ne parlons pas dans la zone du Mbam alors. Dans la zone du Mbam, vraiment, c'est grave. L'extrême nord, ne soulevons pas le cas. Oui. Ces gars souffrent. J'ai vu un monsieur, un huissier de justice qui a prêté ses mains en 94, Eric Fopoussi. J'ai vu son enfant décédé à l'hôpital. Il n'avait même pas 5 francs. Il demandait aux autres personnes qui étaient là de l'aider.
pourtant on l'appelait maître. Il faut dire que c'est des professions libérales et qu'effectivement, ils gagnent leur argent grâce aux émoluments qu'ils peuvent avoir suite à une affaire dans laquelle ils sont appelés à agir. Mais voilà. Sauf que ceux qui se baladent, les huissiers flâneurs, souffrez que je vous appelle ainsi malgré le fait que j'ai du respect, les huissiers flâneurs ne peuvent pas signer un procès verbal. Tout à fait. Le constat. C'est pourquoi ils le font sous la bannière d'un huissier qui lui a la chance. Et qui le torpille? Précise qui le torpille. Qui le torpille? Vous allez vous retrouver des brillants jeunes gars qui sont passés par l'école, qui ont de la maîtrise et qui ont de la substance, ils vont faire un constat. Mais ils sont obligés de ramener des tonton, papa, passer celui-là une réseau pour qu'on puisse se placer, pour que celui-là analyse, critique, avant de pouvoir poser et ça. Et d'ailleurs, souvent, ils ont des arrangements aussi en termes d'argent qu'ils font souvent, et ils sont le plus souvent floués hein, sur ce plan-là. Et il faut aussi dire qu'ils sont, et je pense que c'est aussi l'une des perversités de l'histoire dont on parle ce matin sur cette fonction de lycée justice, pour dire que souvent, ils sont obligés, comme vous l'avez dit, de quémander les problèmes de justice. Mais oui. Vous avez un problème avec votre femme à la maison. Vous dites, non, faire un constat, je vois, c'est à la fin d'un problème de foyer ou quoi. Donc il est tout de suite là aux aguets. C'est pour ça que je dis, de mendiant de la justice. Allez faire un tour en deux côtés. Alors mon ange, vous allez le voir. Oui. On vous dit, on a 152 huissiers de justice qui ont déjà atteint l'âge de 60 ans. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est Laurent Lesso qui ne veut pas envoyer les notes. C'est Jean Fouman à Campi, ne voulait pas porter. Mais quel est le problème? Sont-ils de trop? Auquel cas ne lancez plus, demandez aux gens de ne plus te former. C'est grave. C'est extrêmement grave d'ailleurs, et c'est cela hein, qui nous permet d'avoir un petit courroux ou encore un grand courroux ce matin vis-à-vis de cette situation qui ne peut pas continuer ainsi, parce que ça dure, ça perdure et ça inquiète et ça interroge également sur ce plateau ce matin. Je pense à Maître Yonke, d'ailleurs à Yaoundé, là à Monté Anne Rouge, qui lui aussi attend depuis tellement d'années qu'on puisse régulariser sa situation, ce qui n'est pas le cas. Il est obligé souvent de jouer les conseils juridiques dans les entreprises, voir les patrons pour dire voilà, tel contrat. Voilà, donc c'est une forme de mendicité. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes dans les quartiers, des juges dans les quartiers, qui font passer, ils font des affiches à part pour tout problème juridique, bien vouloir contacter ce numéro. Ne voulez pas vous raser. J'en parlais pour tout problème juridique, bien vouloir contacter ce numéro. Vous appelez, dit c'est Monte Tel. Viens, tu connais pas la zone, la descente, tu tournes, tu vas me trouver. Voilà, et tu arrives, tu dis bonjour maître. Il dit c'est quoi le problème? J'y te formule. Et autre perversité, souvent il se transforme également en avocat. Au final. Donc on ne sait plus trop quel est réellement les frontières qu'on a alors différentes formes. Donc ça crée tout ce qu'on a aujourd'hui comme perversité. Et on connaît l'huissier de justice comment? Parce que je ne sais pas, Chalamet, ils ont le badge de service où c'est présenté. Non. Ils n'ont pas le badge de service, mon bon. Comment reconnaître un huissier de justice et connaître que c'est un bon? Un bon huissier de... Parce que j'ai souvent mes problèmes, je manque à qui je vais transformer. Il y a une différence. Non, mais ils ont des cabinets. Il y a l'enseigne, huissier de justice, telle charge, le nom est écrit. Donc, c'est un peu comme les avocats. Dans leur... Ils ont leur cabinet, ils ont... Tout est bien précisé. C'est pour ça que vous voulez mettre dans... Mais s'il y a un bonhomme qui t'appelle hein, et dit que pour tout problème juridique, comme le dit Charles Abel, là, c'est le vrai problème. Ça que parce qu'il doit avoir un lieu où... Les gars collent leur papier sur les poteaux électriques. Voilà. Que si vous avez besoin d'un huissier, appelez à tel numéro. Appelez ce numéro. Je voulais savoir s'il y a la différence entre l'huissier et l'avocat. Il y a une très grande différence. La différence, c'est quoi? On commence d'abord par l'huissier. C'est l'huissier qui est les yeux de la justice. C'est lui qui arrive, qui dit qu'en date de temps, je suis arrivé, j'ai constaté qu'on a cassé la boutique de tendance qui en est venue casser. Même si c'est la communauté urbaine qui casse, il constate. Et si les gens des impôts viennent constamment prendre 1000 francs, on fait comment? Il y a également un peu de constater. Parce que si tu gagnes le procès contre l'État, il peut même saisir les biens de l'État. On les vend. J'ai un contrat avec vous. Voilà. Je ne veux même pas citer. Tous les jours, vous rôdez dans la 5e. Je vous ai fait quoi? Vous me voulez quoi?
C'est pour aider les enfants à ne pas rester à la maison. Mm-hmm. À un moment, tu sais de quoi je parle. Oui, tout à fait. Quand vous rôdez, tous les jours, vous êtes chez moi. Tous les... C'est quoi? C'est comment? Vous voulez faire quoi? Vous méritez tout ça. D'abord, vous voir que votre mère. Il va aller voir papa Gustave Samba. Ebanda, c'est toi que je veux voir pour résoudre mon problème. Parce que les éléments me dérangent. Vous me dérangez, je parle que sur le plateau. Si. C'est ce qui résout maintenant. Non, moi, je vais t'aider à trouver un huissier de justice qui va les servir. On les traite à justice. Oui, qui va leur faire une signification, une notification. Alors, la vérité, c'est qu'aucun secteur au Cameroun n'est valorisé. Et bon, Mokladi, c'est un métier noble. Être huissier, c'est un métier noble. Après, maintenant, on peut avoir la capacité d'être avocat. Encore qu'on est dans un pays où les avocats sont maltraités, bousculés même. Ça ne se fait pas. Dans quel pays on bouscule, hein, on maltraite, on inflige des violences à des avocats. Donc, vous comprenez qu'on est... La lettre est rouge, Eric Fopoussi. C'est-à-dire que vous arrivez maintenant dans nos amphis, ou alors vous arrivez dans nos universités, qui sont bondés, c'est-à-dire que les étudiants après le bac arrivent en faculté de droit. Ils sont nombreux au quotidien. Mais alors, pour quel repère? Aucun repère parce qu'il n'y a aucune valorisation, il n'y a aucune politique d'insertion, Eric Fopoussi. Et ça pose un véritable problème. Voilà pourquoi les citoyens sont dans pas mal de problèmes. Des gens ne connaissent pas qui est Lucie. Les bonnes questions. On ne connaît pas quel est le rôle de l'huissier. Aller dans les quartiers, problème de bail tous les jours. Voilà, tout à fait. Si les citoyens, tous les jours, absolument. Si les citoyens avaient avaient le rôle exact de l'huissier, de l'importance capitale de l'huissier au sein de la société, au lieu d'arracher le. Non, mais on ne peut pas. La portée d'un vote, parce qu'on n'a pas peur. Vous saisissez de prospérer sur ce plateau que des gens acceptent ne pas savoir quoi sert l'huissier. Non, mais je ne savais pas. Les c'est masses. Ce que Flora a fait. On le fait ce matin, ça, effectivement, les gens doivent apprendre à savoir qui fait quoi au quotidien. Je pense que sur ce plateau, on l'a suffisamment dit. Et sur ce, on va mettre une première pause à ce